Et bonsoir YouTube. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien sur YouTube? Est-ce que YouTube va bien? Est-ce que YouTube se porte bien? Et salut David, salut Fred, salut Dominique, salut Anthony, salut Guy, salut Lucien, salut Lionel, salut Will, salut Tanguy, salut Thomas, salut Eric, salut Mathéo, salut Losa, ou Losa, salut Emmanuel. Du.
Il y a David qui te passe le bonjour dessus. Salut Jonathan. Bah moi ça va pas trop mal. Encore un petit peu de crève, mais ça va pas trop mal. Salut Jack. Et Jack a dit salut. Alors je pense que tu es occupé dans ces vidéos. Comment ça je suis occupé dans mes vidéos? Quel petit bar, hein. Bah, pourquoi pas, tu parles? Oui. Bah pourquoi je devrais parler? Bah parce qu'il y en a qui te disent bonjour. Bah j'en sais un moi qui te disent bonjour. Bah je t'ai dit justement bonjour. Ah, bah bonjour. Salut Guillaume. Salut Ludovic. Semaine 3. Ce matin. Salut Charles. Non, ce soir à mon avis je serai tout seul sur la partie. Bah pour le coup y a que dessus qui est là et il sera juste en vocal. Bon j'espère que la musique est pas trop forte. J'ai une question, vas-y Anthony, pose ta question. Moi j'ai plein de réponses. Ou pas. Tout le monde il m'a abandonné. Non mais aussi je pense qu'il a... Je sais pas si j'étais pas en déplacement ce week-end je crois. Je sais pas. On soutient sur le chat. Johan il a prévenu hier qu'il était pas là. Papa il est invité à bouffer. Bah oui. Salut Lionel. Nous attendons la question du petit Anthony. La question multiple réponse. Mais quelle est sa question? Ah, est-ce que je vais faire du TP en vidéo? Bon, sur le 19, c'est un peu mort. On verra sur le 22 si ça peut être bien géré. Après, franchement, je vais te dire un truc. Le TP sur farming, c'est moyen. J'ai trouvé un autre jeu de TP, mais pour l'instant, il est toujours en développement. Donc, je me suis écorché là. Donc il est toujours en développement. Il est en stade d'alpha, on va dire. Donc il n'y a pas grand chose à faire dessus. Mis à part acheter des véhicules et puis creuser des trous, c'est tout ce qu'il y a à faire. Mais il a l'air prometteur. On va voir dans l'avenir. Je vous le dis pas non parce qu'il est imprononçable. Et je ne m'en rappelle plus. Salut Philippe, pouce bleu mi, merci Stéphane. Ouais, faut que j'arrête de travailler, j'ai les mains qui sont complètement défoncées dans tous les sens. Quelques semaines avant FS22, justement c'est ça que je voulais regarder. Techniquement, il reste 1, 2, 3. Il reste 3 lives. Après celui-là, il reste 3 lives FS19, pardon. Donc ouais, il reste plus de 3... Enfin, il reste un petit mois, quoi, à peine. 3 semaines. 3 semaines complètes. On va vite y être, les amis. On va vite y être. Mais c'est vrai qu'en fait, plus on se rapproche de la date, et plus ça me donne envie d'aller jouer dessus. Quand je vois un petit peu les images, quand je vois un petit peu les vidéos qui commencent un petit peu à sortir. Donc voilà. J'ai hâte d'y être, sans avoir hâte d'y être. Parce que comme d'habitude, et comme chaque sortie de farming, déjà vous aurez... Allez,
On se fait un pari, les amis. Combien de youtubeurs vont vous montrer farming avant la sortie? Moi, je peux vous dire déjà les noms qui vont vous montrer du Farming 22 avant sa sortie. Que je viens de m'acheter. Bah, c'est cool, Florian. C'est cool. Hop là, petit support. Guigui, de quoi jouer dessus? Moi, je vous parie qu'il y a pas mal de youtubeurs qui vont déjà vous sortir des vidéos, voire des lives avant la sortie officielle du jeu. Sympa le décor du studio. Ah bon? Hein? Audrey, j'ai pas de décor de studio, puisque je suis un faux vert. Non, puis j'ai même pas, je peux même pas te mettre un décor. Hop. Est-ce qu'on pourrait se mettre un fond de studio? J'ai pas de... Ah bah carrément Guy. Salut Mickaël, tu peux lancer le jeu? Oui, je peux lancer le jeu. Alors Anthony, je pense, comme là il y a 3 ans, Giant me l'avait offert en avance avec un peu le programme de partenariat. Vu que je suis toujours partenaire grâce à vous, vu que j'ai toujours le certificat de partenariat Giant, où d'ailleurs on a passé à l'étape du dessus. Mais moi, comme à chaque sortie, ouais Florian, c'est prévu que j'achète le numéro 10. Mais c'est vrai que je suis encore avec le numéro 12. Ouais, pour moi, il restera toujours un patriote. Voilà, numéro 12 patriote, voilà. Donc oui, je vais certainement avoir... je pense avoir une clé. Je vais mettre la lumière là. Hop là, voilà. J'espère avoir une clé. Normalement, s'ils font comme il y a 3 ans, oui. Après, on verra bien. Par contre, comme à chaque sortie de Farming, vous ne verrez pas de Farming 22 avant le 22. Voilà. Parce que vous allez voir, en fait, à chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe à chaque fois pour les sorties de Farming, hop là, j'essaie de remettre mon micro correctement. Bah c'est la course à la vue en fait. Voilà. C'est la course, la course. Sur quoi? Oh, Angie! Mon Dieu, il est en vie! Bah, oui, alléluia, mes frères! Il a ressuscité! Non, je suis mort. Ah. Non, je suis mort. Bon, ouais. Ça, t'es mort. Bah, je suis toujours un fantôme, hein, donc ça a pas changé. Ça, bon, bah, il est toujours mort. Donc voilà, donc oui, du Farming 22, vous en aurez sur la chaîne, mais après le 22. Non, à partir du 22. Oui, bah, après le 22. Bah, non. Parce que le 22, à mon avis, j'aurais peut-être à mon avis que je fasse un live le soir. Si Steam le veut bien. Oui, ah oui, c'est surtout ça. C'est si Steam veut bien. Ah non, mais non, on peut pas. De quoi? Ah bah, moi je pourrais pas. Parce que? Parce que vu que Steam va lâcher les clés. À minuit? Que à minuit, le 22.
Donc vous verrez bien, premier live sur le 22, bah on verra bien. De toute façon, soyez au rendez-vous. Nous on y sera. Puisque ce sera nous qui vont live. Mais franchement, voilà. C'est un peu ça qui va me dégoûter. C'est la course à celui qui va montrer le plus de choses en moins de temps, quoi. Et ça, malheureusement. Voilà. Donc, après, faites votre propre avis sur les youtubeurs. Mais moi, personnellement, je reste droit dans mes bottes. Et. Enfin, dans mes bottes. Dans mes crocs. Les bottes, pas aujourd'hui? Non, j'ai des crocs. Ouais, c'est ça. Des crocs qui sont montés en slick, hein. Voilà. Là, je peux pas faire une sortie de piste mouillée avec ça. Bah si, tu peux justement faire une sortie de piste. Ouais, oui, enfin oui, je peux pas sortir en piste, je voulais dire. De quoi qu'on s'en fout, Thomas ? Bon ça, Thomas ? De quoi qu'on s'en fout ? De mes crocs ? Oh. Bon allez, du coup, on est parti. Ah, d'accord, il veut pas de moi sur la partie, je me casse, hein. Ah non, moi je veux bien, moi. Je sais pas, y'a Guy qui me dit que tu veux jouer qu'avec tu. Ah non ? Enfin, non, oui, non. Allez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez faire, madame ? Je vais commencer par semer. Qu'est-ce qu'il y a à faire, au fait ? Je sais plus. Je sais même plus nos champs, nous, en fait. On a tellement de choses. On a tellement de champs. Bah, c'est vrai que c'est parti pour le coup. Je sais pas, j'ai un tracteur avec. Un pulvé. Mais j'ai avec de l'engrais liquide. Pourquoi il m'affiche pas les infos du champ ? Bon. Pourquoi j'ai pas les couleurs des champs qu'on possède ? Parce que faut faire le terrain. On va se mettre en quoi là, tiens ? On va changer un peu de. Ah ouais, on possède tout ça comme champ et on a gagné plein de sous, Guy. Yeah. Bah ouais, mais on n'est pas sûr de devenir millionnaire. Parce qu'on a le 39, le 38, le 37, le 35, le 34, le 33, le 32 oui. Et le 12. Oui. Wouah ! On va planter un champ. Non, Vincent, on n'est pas que deux. Non, on est des milliers là. Moi, dans ma tête, je suis plusieurs. Eh ben, c'est pour ça que je dis déjà on a des milliers. Du coup, moi j'ai rien à faire. Bah, je sais pas, faut regarder si les champs d'à côté sont plus levés. Bah, on va pas mettre de l'engrais liquide tout de suite. Pourquoi ? Si ? Bah, sur les champs qui sont déjà plantés. Croissance en cours. Donc voilà, ouais, non, moi c'est ça un petit peu qui va me. Ah bah, il y en a aucun des fertilisés. Bah voilà. Mais lesquels sont semés d'ailleurs ? Pourquoi pas faire un live sur devenir millionnaire ? J'y ai pensé avant de démarrer le live, mais comme on a déjà tourné une vidéo d'avance, le problème c'est que du coup, bah, ça fausserait tout quoi. C'est-à-dire que le live qu'on ferait ce soir interviendrait après la vidéo qui va sortir mardi. Bah, c'est pas une question de téléchargement en même temps sur Steam. Ça, y a pas de problème. Steam, ils peuvent largement... encaisser ça. C'est pas non plus un jeu AAA avec des millions de téléchargements en même temps. Mais moi, ce qui me dégoûte en fait, c'est le milieu YouTube où vous allez voir quelques jours avant, voire une semaine avant, il y en a déjà qui vont vous proposer des lives sur le jeu. Moi, je trouve ça pas normal. Je trouve ça limite dégueulasse par rapport au petit youtubeur qui n'est pas partenaire, qui bah, ne pourra pas montrer du FS22 avant la sortie quoi.
Bah, moi, je trouve pas normal, surtout, alors pour ça, ouais, mais c'est surtout que t'as des gens qui jouent au jeu avant que tout le monde puisse jouer au jeu. C'est ça. Salut Thierry, comment tu vas, Thierry? Donc voilà, moi, c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que, bah, c'est toujours en gros les mêmes qui profitent, quoi. Je vous rassure, hein, moi, quand je vais avoir la clé, oui, je vais jouer, et encore. Je préfère plutôt le découvrir en live en même temps que vous. Et avoir la joie de le découvrir, quoi. Oui, mais il le mérite. Il le mérite pas plus que le petit youtubeur qui vient de démarrer, qui a 500 abonnés, par exemple. Pourquoi il le mériterait plus? Dis-moi, Thomas, pourquoi les gros youtubeurs mériteraient plus qu'un petit youtubeur qui vient de démarrer? Salut Damien! Bombarde de la nuit! Ah, mais si, les deux premiers champs, ils avaient été faits en pulvé. On se fait à leur place. Ça va très bien, Christophe. C'est pour cette mentalité-là que je t'adore, Guigui. Le problème, c'est que maintenant, avec les téléchargements numériques, je peux plus faire le coup du broyeur. Bah, c'est toujours le fameux problème. Moi, je me rappelle à la sortie du 17, où en fait, c'était la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont partenaires, normalement, on a des restrictions. On ne doit pas montrer plus de tant d'heures de jeu ou des trucs comme ça. Je sais que sur le... ils avaient fait ça sur le 19, je crois. Le 17, c'était tellement une foirade la sortie que voilà. Là, on est sur la bombe. Ouais, tu sais, le 19 a pas été beaucoup mieux, hein. Bah, parce que Anthony, moi, je respecte les gens en me disant, le jeu sort telle date, je n'y jouerai pas avant telle date. Parce que devenir millionnaire, comme je disais là il y a 30 secondes, c'est que on a déjà on tourne des épisodes en avance. Donc au final on vous spoilerait l'épisode de mardi. Donc c'est pas qu'on tourne des épisodes en avance, c'est qu'on fait deux épisodes à chaque fois qu'on tourne. Et il se trouve du coup on en a un en avance. Thomas, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, machin et tout. Mais c'est la mentalité en fait. C'est-à-dire, putain, il faut vite que je montre tout pour avoir un maximum de vues. Qui fait qu'un maximum de vues, c'est un maximum d'argent. Donc c'est ça que j'apprécie plus, en fait. Après, dites-vous aussi que maintenant, avec les jeux vidéo, je sais pas si vous avez remarqué quelque chose, c'est que tout le monde stream ou fait des vidéos sur les jeux avant la sortie des jeux. Vous avez vu la durée de vie du jeu? C'est 15 jours. C'est 15 jours avant qu'il soit sorti. C'est le jeu de YouTube. Mais au final, t'enlèves la rémunération de YouTube. Crois-moi qu'il y aurait beaucoup moins de YouTubeurs. Dans Live Mapping, pour le coup, on va essayer vraiment de continuer les routes. Et d'avancer pas mal sur les routes. Ouais. Les routes et les chemins. Salut Sylvain! Après voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, moi c'est cette mentalité là. Le jeu sort le 22, vous n'aurez pas d'image ou de vidéo avant le 22. Oui, il y en aura, mais pas de chez nous. Ah oui, mais pas chez nous. Salut Eric! Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on voit pas que c'est fertilisé. Si, je vois, moi.
Bah moi je vois pas que c'est fertilisé. Si je vois la différence, mais je vois pas sur le, la carte. Bah oui, mais alors, dans ces cas-là, Thomas, dommage de pas en profiter. Oui, mais alors pourquoi le petit youtubeur n'aura pas le droit d'en profiter aussi, dans ces cas-là? Ah oui, d'accord, c'est toujours pareil. Superposition des couleurs. Ouais, superposition des couleurs. Les avant-premières de farming, j'attendrai la sortie officielle pour regarder les vidéos. Salut GD. Non, au pire, ce que je vais vous faire, possibilité, c'est peut-être que je prépare des vidéos à l'avance, oui, c'est possible. Mais je pense même pas, en fait. Je pense même pas. Parce que, comme je vous disais, je préfère le découvrir en même temps que vous en live, quoi. Non, puis, Lionel, a... quand le 22 sort, on fait plus de vidéos sur le 19. Oh, le 19 va s'arrêter, ouais. Ou il y aura peut-être encore une vidéo de devenir millionnaire, le temps, donc ah, voilà. Mais salut Nacha. Est-ce que tu vas faire quelque chose lundi matin? Me reposer déjà. Alors demain soir, je ne sais pas si je fais un live. Vu que c'est Halloween, je pensais peut-être refaire un horror show, mais problème c'est que... Bon, sinon on peut se refaire un petit Outlast en horror show. Bon, faut que je regarde s'il n'y a pas des jeux d'horreur. Un petit horror show demain soir, si ça vous dit. En plus, t'auras dormi une heure de plus. Oui, en plus. Pas de vue, mais les gros youtubeurs pourraient ne pas faire de vidéo, mais... Ah bah oui, non bah, de toute façon... Il a pas du bien. Non, Sam, il n'y aura pas de live 24 heures pour le 22. Bah, vous savez quoi? Moi, franchement, je vous dis tout de suite, hein, il y aura peut-être un live, un petit live comme ça, le 22 au soir, ouais, possibilité, et encore, parce que je pense que tout le monde va être en live. Donc, je sais même pas si ça vaut le coup. Voilà. De toute façon, je sais très bien que... Merci, Audrey. Je sais... Merci pour ton sponsor, d'ailleurs, Audrey, pardon. Excuse-moi. Je sais très bien que les grosses chaînes, je ne vais pas citer de nom, mais vont quasiment stream tous les soirs, toute la semaine du 22. Et merci pour ton sponsor. Donc voilà, je sais très bien qu'ils vont stream toute la semaine. Donc en fait, vous allez faire une overdose de farming 22 tout de suite. Donc techniquement, moi je préfère largement aller peut-être, ouais, peut-être vous faire un petit live vite fait et encore. Mais continuer ma petite vie tranquille en fait. Faire mes petits lives le vendredi soir sur d'autres jeux. Et le samedi, par contre le samedi 26, 27 par là. Non, attends, c'est lundi 22. Ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être le 27. Non, c'est mardi 22, non? Non, c'est un lundi 22. C'est un mardi, il me semblait. Voilà. C'est, je sais pas, hein, il me semblait que c'était un mardi qui sortait les jeux farming, mais. C'est un lundi, hein, y a pas de souci. Hein. Alors, le 22. Non, t'as raison, c'est un lundi. Non, t'as raison, c'est un lundi, y a pas de souci. C'est je. Bonne soirée, Gustaf. Salut, Eddy. Donc, oui, c'est bien ça. Vous aurez... Je pense que le premier live FS17, vous l'aurez. Je pense. À moins que je... Vraiment, FS17. FS22. À moins que vraiment ça me prenne vraiment envie de faire un live le lundi soir. Ça va dépendre de l'état de fatigue. Aussi du boulot, parce que contrairement à certains, il y en a qui bossent. Il y en a que s'ils téléchargent sur certaines plateformes, on les aura pas avant une certaine voilà. Date. Donc limite, je préfère vous faire le live le 27 au soir, tranquillement, pépère, posé, comme on est là. Et puis limite, comme ça, nous, on aura déjà eu le temps, dans la semaine, d'y jouer. Déjà le temps de le prendre en main.
déjà le temps de préparer une vraie partie, parce que pour le coup, il y en a qui vont démarrer des lives comme ça, de raison, machin, et au final, ils n'auront pas d'objectif. Ça donne quoi comme objectif, nous, sur le live? Comme d'habitude. Ok. Voilà. Ah bah ça va être folklorique, hein. Non, mais c'est sûr que le premier live que vous allez avoir, on va pas cheater l'argent à 50 millions, sortir tous les véhicules et basta, non? Ah non, nous on aurait joué parti. Je t'ai vu, je suis nouveau. Bah bien sûr. Bienvenue à toi, Curtex. Bienvenue parmi nous. Par contre, attention aux majuscules. Des fois, on a des modos qui sont très réac. Alors, je pense, Gédéon, on va essayer de faire un live devenir millionnaire, je pense, la semaine prochaine. Ah, mais ça veut dire que on tourne pas de vie, on tourne qu'une vie, qu'un épisode alors. Ben, c'est là le problème. Ça veut dire que derrière, après, toi, t'as plus d'avance. T'as plus d'avance, quoi. Non. Comment va Papa Mikab? Là, je crois qu'il est les pieds sous la table en train de bouffer comme un gros porc. Ou alors il est en train de dormir. Non, je crois qu'il t'invite à bouffer ce soir. Yes, à live à la sauce LFD, il n'y a rien de mieux pour découvrir FS22. Et nous, on va. Franchement, je vais vous dire, franchement, je préfère largement prendre le temps. On a le temps pour découvrir FS22. Par contre, je pense que ça sera sur la map européenne et pas forcément la map américaine. Pour commencer. Et je préfère largement prendre mon temps, voilà. Non, alors, la grise, c'est pas la question du dimanche ou du. Ou du lundi ou du mardi qu'on les tourne. C'est le fait qu'on tourne deux épisodes et ils sont décalés sur deux semaines d'intervalle. En fait, c'est simple. 12 aspects. L'épisode que vous avez eu hier. Tu veux pas semer le 12? Hein? Tu veux pas semer le 12? Si, mais. Il faut aller à la. Je pense qu'il faut aller rechercher de l'engrais liquide aussi. Certainement, ouais. Peut-être que j'allais rechercher un peu de semences aussi. En fait, quand on tourne les vidéos, je voulais finir avec ça, c'est oui. Maggie. C'est qu'on fait, il y a un épisode pour le jeudi, par exemple, de cette semaine, et il y a un épisode pour le mardi de la semaine d'après. Donc c'est compliqué, en fait, de vous faire des lives autant en ce moment. Bah, c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive à décaler. Bah, il faudrait qu'on tourne qu'un épisode la semaine prochaine. Et puis que derrière on en retourne un après le live ou deux pour te redonner un peu d'avance. Bientôt le million. Bah techniquement avec l'épisode qui va sortir mardi. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah non mais c'est le montage de l'épisode du coup ouais. Bah oui. Donc je vois demain après-midi pour le faire du coup. Bah après t'as lundi encore. Oui, ah oui c'est vrai, j'ai lundi le matin pour le faire en fait. T'as lundi toute la journée, ça ouais, va, c'est pas non plus. On fait autre chose avec le dessus. Bah oui. Qu'est-ce que t'as loupé? Bah pas grand chose le petit train. Il existe des huttes de vente pour les semences en grès. Oui, il existe, oui. Donc, pour le coup, ouais, FS22, je pense que nous, on va se découvrir à la mode LFD, c'est-à-dire qu'on va prendre notre temps. Ça va prendre 2 ans pour le découvrir. Bah, c'est ça. Ou 3, s'il sort pas avant... Oui, ça dépendra. Je sens que maintenant, de toute façon, on va avoir le droit... Sousa, il sort le 22 novembre, exactement. À quand des travaux sur la maison de dessus? Pour l'instant, c'est pas le moment. Parce que franchement, je vais te dire un truc, Guy. 3 vidéos par semaine, ça veut dire. Parce que malgré tout, c'est. Comment dire. Faut déjà le temps de tourner. Là, on tourne quasiment 3 heures d'affilée. Le mardi soir, on tourne 3 heures d'affilée. Ah bah, il y en a déjà des semences.
Derrière, c'est c'est une heure, deux heures de, une à deux heures par épisode. Bah c'est voilà. Après derrière, vous avez le montage. Alors le montage, c'est parce qu'il prend plus de temps. Mais moi, il faut que je redéroche quand même la vidéo parce qu'il y a, faut que je cale les incrustations. Il faut que je fasse les timelapse. C'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire dans une vidéo, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Bah, faut dérocher la vidéo. Donc moi, j'ai la technique, c'est que je la regarde en vitesse x2. Donc un épisode qui dure une heure, moi, je vais mettre une demi-heure déjà pour le dérocher. C'est celui-là qu'il faut se mettre. Ah, le 12. Le 12, hein. Putain, j'ai attendu. Ouais, le gros. Bien. Ah bah, il va être gros avec le 3 mètres, hein, c'est sûr. Ah! C'est bien, je vais pouvoir te regarder. Pourquoi ça me met toutes les deux secondes en pause? Furtex, descends ta qualité. Descends ta qualité. On sait en quoi? Bah, en un truc qui rapporte plein d'argent. Bah, de toute façon, Colza. Bah, soit Colza ou soit. Ça fait. Ah, on pourrait faire Tournesol aussi, tiens. Tournesol, ah, mais, ou... j'ai pas le Tournesol. Le Soja. Soja, on en a déjà des champs de Soja. Merci, oh. 81 du Soja. Du Soja. Ici, on a le 34 et 33 en Soja. Bon, on a, genre, on a le 35 et 37 en Colza, donc on va peut-être faire Soja. Ouais, c'est des petits, les Soja, là. Hein. Là, tu... Là, après, je pense qu'on peut... Une petite vidéo sur Terre Mécanique. Alors, en fait, je l'ai, le jeu. J'ai le jeu, j'ai joué un quart d'heure, c'est quoi dire, mais voilà, j'ai pas accroché en fait. Donc on a dit ce jeu. Ça va bien toi, Evan 80. J'arrive pas à me concentrer sur le jeu. Donc voilà quoi. Tout comme il faudra que je retourne aussi des épisodes de la conquête de l'Europe. J'en ai sorti un il y a déjà un petit moment. Putain, il va être long là. Il va être long. Ah, c'est pas grave, on est en live. Bon. Salut Kevin! Sur Space, alors le problème sur Space, j'ai tout d'installé, j'ai un serveur prêt à démarrer. Le seul problème, c'est que comme je passe par la fibre de l'entreprise à côté, j'ai pas la main mise sur les ouvertures de port en fait. Ce qui fait que moi je peux me connecter, tu peux se connecter parce qu'il habite dans la même maison que moi, mais les autres à l'extérieur ne peuvent pas. Et je vous avais prévu une série dessus, mais ça viendra. Faut juste que je prenne le temps de mettre les choses en place. Et qu'en ce moment, entre le boulot, la maison, les travaux, les ci et là. Au final, bah, je m'aperçois que j'ai quasiment pas de temps, quoi. J'en ai pour un moment, ouais. Avec un sous-marin de 4 mètres, j'en ai pour un moment. C'est pas grave, Audrey, ça va me permettre de dormir. Ouais. Ouais, y'a que deux Valtra. Et en plus, les Valtra, c'est un Valmet, en plus.
Là, par contre, pour le coup, celui-là, vous me verrez dedans. Parce que j'adorais les Valmet quand j'étais gamin. Et que je sais pas pourquoi, les Valmet ont été énormément utilisés en mode forestier. Ah, le petit train d'Anto, nous on fait jamais ça, nous on fait jamais d'accélérer pour semer des trucs. Accéléré. Donc vous allez voir le live en x2. Comment on fait des dons? Bah c'est tout dans la description. Ou via le chat, le super chat. Tu peux aussi. Bah Guy, c'est pas vous m'embêter, au contraire, j'adore faire ça. De plus, j'essaye de plus en plus aussi de faire du montage, et c'est vrai que pour le coup avec DaVinci, ça me facilite beaucoup les choses. Parce qu'au final, je... T'as le code? Hein? T'as le code? Le code. Bon. Bah DaVinci code. Oui. Rigolez pas tous à la fois. Hein. Salut Maline. Du coup voilà, c'est un logiciel que je prends de plus en plus en main, d'ailleurs qui est gratuit pour le coup. Enfin, il y a une version gratuite qui est déjà pas mal. Mais voilà, faire une vidéo, ça prend du temps. Que le problème, c'est que tu as dit ah, je ferai ton montage vidéo. Mais bon, tu. Bah oui. Qui c'est qui t'a dit ça? T'es trompé? T'as des preuves? Oui. J'ai un enregistrement vocal. Ouais. Oui, il faut que j'enlève le préco alpine. Salut Ghost Rider. Salut Jay. Oh, t'as encore pas fini le champ? Bah attends, je vais seulement finir mon détourage. Bon. Salut Pierre. Donc voilà, donc c'est vrai que faire une vidéo, ça prend quand même un petit peu de temps. Même si nous on fait pas des vidéos très poussées. Bah on met du temps quand même pour les faire. Mais ça prend du temps à filmer. Et à dérocher, et après il y a le rendu aussi qui est là. Il est sorti, Guigui, l'épisode d'après celui du bug? Ou pas encore? Non, celui du bug. Non. Non, parce que le dernier il s'appelle Bug Résolu, je crois. Oui, bah justement. Bah justement. C'est celui où on a fait. Par exemple, pour vous dire pourquoi ça prend du temps, par exemple, quand on a eu le bug, bon, on a tourné un certain temps, Guigui a posté la vidéo. Le coup d'après, quand il a fallu faire toutes les moissons, on a mis 2 heures pour le tourner, l'épisode, par exemple. Et au final, il a fait 1 heure. Et au final, il vous a fait qu'1 heure. Mais je pense que pour le 22, je prendrai peut-être un peu plus de temps et vous faire... Je sais pas. Je m'avance et à chaque fois, je dis ça, et j'y dis, puis au final, j'y fais pas. Non, pas dedans, on dit plus rien. Mais voilà, faut que je vous mette un peu plus dedans. Et... Faites du courage pour monter les vidéos. Mais faudrait que je vous fasse une vidéo sur le montage d'une vidéo en fait. Moi, ça met beaucoup de travail. Monte une vidéo pour monter une vidéo. C'est ça. Donc du coup, il fait 2 fois le montage de la vidéo. C'est ça. Bah non, mais c'est pas la même vidéo. Putain, je vais faire du vidéo montage Inception. Salut Marina. Alors ça, je sais pas du tout, je joue pas sur cette map. Dans tes rushs, tu as pas d'effet. Sachant que je coupe rarement les vidéos, ce que vous voyez, c'est quasiment... Enfin, du brut, entre guillemets, quoi. Et puis généralement, les fails, nous, on les laisse. Comment je fais pour avoir mon volant pas dur
C'est simple, je l'ai réglé comme ça avec le profiler Logitech. À quand la vidéo setup? Alors, ça c'est l'éternel débat. En fait, j'aimerais vous faire une vidéo setup. J'en avais tourné une, depuis un petit moment. Dans les rushs, je les ai supprimés. Mais le rendu me plaisait pas. Le rendu lui-même ne me plaisait pas. Donc du coup, j'ai annulé. Entre temps, maintenant j'ai un petit peu du meilleur matériel vidéo. Ah bon? Il faut que je la retourne. T'avais pas dit aussi que tu voulais la retourner quand t'aurais refait ton. Aussi, oui, bah, quand j'aurais refait ma pièce. J'aimerais refaire tout mon décor de pièces là, ce qui fait que vous n'aurez plus de fond vert. Mais bah c'est pareil, ça prend du temps, parce qu'il faut déjà que je fasse mes plans, faut que je fasse mes trucs, faut que je vois comment j'y fais. Derrière après, il faut le financer. Parce que, les matériaux. Je suis comme tout le monde, hein, voilà. Même si YouTube, il y a une rentrée d'argent. C'est pas énorme. Mais voilà, après derrière, c'est de ma poche, hein, c'est de mes salaires. Et mes salaires, ils me servent aussi à payer bah, l'emprunt de la voiture, à payer les taxes de la maison, à payer la bouffe, à payer le matériel informatique. Donc voilà. Donc faites des dons. Non, je plaisante. Comment ça, t'as pas gagné l'euro million? Bah, j'aurais bien aimé. Bah, c'est ça aussi. C'est le problème, c'est que tant que je fais mes travaux dans le bureau là où je suis. Bah, il me faut un autre endroit pour poser mon matériel en attendant, pour pouvoir continuer à faire les vidéos et tout ça. Et j'ai pas 50 millions de pièces non plus pour le faire, quoi. Bonne soirée, Mathéo. Bah oui, voilà, j'ai les factures de la vie courante comme tout le monde, oui, bien sûr. C'est l'historique. Pourquoi je crois que ça va être long? Je le fais pas dire. Je vais m'endormir devant l'écran. Salut toi. Attends, je vais voir si on peut pas prendre un 6 mètres hein, de ce mois. Hein. Bah, on a plus de sous. Comment ça, il y a plus de sous? Du vin là-dessous. Bah, oui, je suis là. Encore mort? Ça ne devrait pas tarder, tu. Ouais, ça commence à être compliqué. Mort de fatigue. Bon, alors, ce martimètre, ça coûte combien? Bah, plus que 10 000, ça c'est sûr. Merci Lulu! Merci, merci à toi, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir, merci, merci, merci. Merci Guy. Mapping. Regardez beaucoup de live LFD de mapping. Pour tous ceux qu'on fait sur le 2022, ça peut vous donner des bons conseils. 52 000 il fait ce mois. Eh bah oui, mais on les a pas. Et là, il fait 10 000. Donc si je revends celui-là, ça nous fait 20 000. Donc si je fais un petit emprunt. C'est gentil, Guy, de m'autoriser à aller fumer, mais je m'appelle pas Papa Mika, je fume pas.
Non, ça, tu fumes allez, pas. Hein. Hop, on va faire un petit emprunt. Juste la moquette. Hop. J'ai... Et question, est-ce que plutôt que d'en acheter un, on en achèterait pas deux? Quitte à faire un emprunt. C'est pas faux. Mais dans ces cas-là, je te pique ton tracteur. Ah, hop. Dis, toi avec. Hop. Continue de semer. Parce que ça va être long sinon, je crois. Oui. Tu commenceras par le bas. Hop. Bon, c'est pas grave, faut que je prévois un peu plus d'argent du coup. Parce qu'il faut que je rachète un truc à l'avant. Donc 16 plus 52. Là. Emprunter. Donc. Hop. Merci André. Merci. Et oui, n'hésitez pas à partager le live. Non, non, Guy, je suis pas cuir moustache. Ah, je peux déjà économiser un peu d'argent, tiens. Allez, hop. Oh. J'aurais pu les acheter d'occasion. Oui, bah, je les ai achetés d'occasion. Il nous reste déjà plus de 15 000. Bon, on est mal barré, hein. Ouais, bah, avec tous les gens qu'on a semé déjà, mon pauvre. Pas le contraire. Avec 15 000, on peut pas s'en acheter un où il faut récolter. De champ. Bonne question. J'en vois là, en dessous du 12, là, le 13. Bah, il y a le 15. Putain, il va nous manquer. On a combien? On a 15 000 combien? 15 000. Oh putain. J'en ai un 15 400. C'est un quoi celui-là? Non, orge. Le top, ce serait d'avoir un soja. Un soja au colza. Il y a un soja, il y a le 15 en soja, mais est-ce qu'il est prêt à... Il est prêt à... Bah il est prêt à... Il a l'air comme ça. Il y a le soja là. En 15. Il fait 9000 le champ. Allez, acheter. Ouais. Bon après hein. Ouais Audrey. Ça fait 4 mois que je ne vous ai pas vu, ça fait du bien de vous revoir, vous n'avez pas changé, toujours la bonne humeur, restez comme ça. Mais pourquoi on changerait? Non mais petit Ludo, j'ai pas besoin de voir double, hein, je vois déjà triple. Il va me manquer ce tracteur sur la phase 22. Pas. Non, non, il va me manquer le tracteur sur le FS22. Bah, ou pas? Pourquoi ou pas? Bah, s'il est convertible facilement. Ah! C'est pas un canapé, porte. Ah, il s'accroche dans quel sens, lui? Quoi, il va faire tout petit, bref. C'est petit mignon. Ouais, on remplit la trémie. Heureusement que t'as une grosse trémie devant pour compenser le poids que t'as à l'arrière. Bah oui. Ah, tu te semences. Ouais. Avec deux, ça va tout faire.
Ouais, et puis, oh, non, bah, ça va, Audrey, c'est là. C'est le Verdeco, comment tu vas, Verdeco? C'est que triple, hein, parce que d'habitude, je vois quadruple. Hein. Deux fois dans chaque œil. Par contre, moi, faut qu'on m'explique quand même. Vas-y, explique-moi. Top. Dis-moi. Attendez, un schlink, je sais pas ce que c'est. Tu... Ah bah si. Merci Lulu. Super chat. Merci Lulu pour ton super chat. Miaou. Ah non, ça va. Non, je pense dire, Lulu, je pense qu'il manque un mot. Que la famille vous trouve toujours autant super. Merci pour tes 5€ et oui la famille. Oui la famille vous trouve toujours super. Oui, la... je veux dire oui la famille va bien. Mais non, oui, merci. Avec moi il y a Tsu qui est en vocal et Ozzy qui joue avec moi. Ouais j'ai eu pitié de lui, je suis venu l'accompagner. Non, ça va, je disais, ouais, faut qu'on m'explique quand même, avec un gros truc comme ça devant, tu vois pas grand-chose, mais oui, effectivement, tu vois pas grand-chose. Ah, change tes lunettes, hein, si tu vois rien. Salut, vive FS22 ouais, on verra le 22. Oula, oula, Guy, oh, c'est même sextuple quand il y a... Joanne qui est là. Oula. Quand papa Mika est arrivé, je vois trouble. Dérapage contrôlé à la fin là-bas. Je pensais qu'il va arriver à le tirer en fait. Je sais même pas la puissance qu'il faut pour ce sommet. Alors, moi j'ai combien en puissance? Moi j'ai combien en puissance? J'ai 190 chevaux. Tu me diras, on avait le Fen qui est à 240 chevaux. Mais c'est moins marrant. Non, on l'a plus. Si, le Fen. On l'avait toujours le 724. Et où? Bon, il doit être à la ferme. T'as dit que tu voulais le DUS, bah moi je t'ai lâché le DUS. Oui, hein. Bah oui, mais je me rappelle pas qu'il y avait le DUS. Comment ça, n'est plus dans le tien? Ah ouais, il demande 260 chevaux le bordel. Bon. Ah, essaye, tu verras bien. Il a peut-être plus de 190 bourrins le DUS. Merde! Bon, allez, vas-y, recommence. Bah, en fait, c'est plus moi qui conduis, Audrey, c'est la voiture. Elle conduit toute seule, elle connaît le chemin. C'est Soja, hein, c'est ça? Ouais. Bon, on a peut-être un peu de blé. On a peut-être un peu de blé dans l'histoire. On a bien dit Soja, pourtant. Ah oui, mais bon, je suis en train de la ligne. Brutus, Marquis. C'est la bombe. Remarque, il vaut mieux qu'il l'ait vu tout de suite que une fois de faire une ligne sur deux, quoi. Une fois le champ fini, quoi. Sinon, il y avait la partie du bas en blé, la partie du haut en... Yo, quoi. Non, il arrive bien des 260 chevaux, le bordel. Hein. Et ouais, le, ouais, après, le c'est pareil, quand tu vas être dans la montée, à mon avis, il va peut-être pas monter non plus, quoi. C'est un joli barouf. Ouais. Bah il a du mal quand même, ouais bah oui il fait 190 chevaux et faut tirer un truc qui fait 200, qui demande 260 chevaux. Non, j'ai l'air rotative. C'est pour ça qu'il demande 200 quelques points. Ouais mais ça va encore, il monte à 6 hein. Non à 5. Moi j'ai vu des champs de labour où on était à 2 hein. Bah oui, toi et bien d'autres. Bah oui, vu, deux, que je suis au... vu que je suis au moins deux dans ma tête, oui, forcément, il y en a un et puis un autre. Ouais, les gladiers sont bien plantés. Hein.
Après, fais que des lignes en bas, hein, Guigui, fais comme moi, hein, tu fais que de la longueur à plat. Tout ce que je monte, j'y redescends. Tesla, je connais. Non, puis c'est bien, là, il y a un bon son de votre tracteur, là. Salut Dorian. Allez les amis, direction les 200 pouces bleus. Le doute s'il est lent. On sait pas qui est lent. Ah mais il tire. C'est qu'il est pas très rapide. Ah mais au moins il tire lui. Mais l'avantage avec le régulateur, hop là. Oui, ça on vous en confirme, il chie les graines en effet. L'avantage c'est que j'ai le temps de lire le chat. Je crois que tu savais pas lire. Ah, tu sais. Oui, il fait semblant quoi. Ouais, ok. Il me semblait. Si, il me semble qu'il est sur l'autochargeuse. Vous allez voir, là il va pas en chier dans la descente. Il va chier des graines. Oh, tu sais, Audrey, tant qu'il arrive pas à 3. Je parle pas de la ville. Hein. Ah, parce que j'en connais qui vont faire la blague. Il va à 15. Non, Lulu, là, à ce niveau-là, quand il va faire la prochaine allée, il va faire un excès de lenteur. Déconne pas, mais ça existe, les excès de lenteur. Tu sais, oui. Quand t'es sur une voie rapide, que limite est à 110, si tu roules en dessous de 80... Tu roules en dessous de 80 sur une route limitée à 110, tu peux te faire arrêter pour excès de lenteur. Comme dans la vraie vie, hein, je vous rassure, hein. Les tracteurs en montée ils en chient, en descente ils en chient un peu moins. En même temps, en descente, généralement tu es obligé d'avoir le pied sur le frein. Bah ça dépend avec quoi tu... Je pense que c'est toujours le pied sur le frein. Je pense que si t'as une charrue au cul. Quand tu roules à 40. Quand tu roules à 40 à l'heure puis que t'as des voitures qui arrivent, t'as le pied sur le frein. Ouais mais tu roules pas à 40 à l'heure avec une charrue dans le champ quoi. Non mais sur la route. Tu dis dans les montées, dans les descentes. Ah. J'ai quoi comme joystick? Thrustmaster T16000M. Généreusement offert par tu. Ouais, merci à lui. Non ça, je vais voir dans les stores comme j'ai fait. Ils n'ont rien fait, moi. Je passe à 40 chevaux, j'ai 200, enfin 190 chevaux là. Bon, c'est vrai que le semoir demande 260. Il y va. Ah, tu sais, Audrey, tant qu'il est pas en A0, ça va. Il y a le frein à main. Le quoi?
Tant qu'il patine pas, hein, moi. Ça qui pourrait intégrer aussi dans Farming, la gestion du patinage. Oula, attends, attends. Est-ce qu'on pourrait faire du patinage artistique? Et pourquoi pas du patinage simple. Sans qu'il soit artistique. Salut le fermier. Pourquoi j'ai chaud? Ah, peut-être parce que t'as mis le chauffage. Bah non. Bah si. Bah non, il n'y a pas de chauffage. C'est sûr qu'il a allumé la cheminée, qu'il a mis du bois, puis... Ah oui, c'est sûr, il avait froid, là. T'as bien mis du chauffage. C'est ta boîte, maintenant. Bah, je sais pas, Audrey, moi, mon frein à main, il est automatique. De toute façon, Freddy, c'est triché, c'est ça. C'est bien, mais... J'ai des roues jumelées à l'arrière, ça devrait aller mieux. Ça va le faire. Ça va un peu plus vite quand même pour ce mail. À deux, c'est sûr que ça va plus vite. Hein. Il y a un 6 mètres d'autant plus. Oui. Après, oui, j'aurais pu aller chercher le Fendt. J'aurais dit, ah, il faut 240 chevaux, pour 260. Bon, donc si, il aurait pas forcément été beaucoup plus vite, hein. Ah, peut-être un petit peu plus. Si. Ouais, t'aurais été à 6 au lieu de 5, ok. À tout, ouais. Alors, peut-être non, peut-être à 8, ou quelque chose comme ça. Peut-être fini le champ à la fin du live. Hein. Oh bah largement. Hein. Largement. J'ai ouvert la fenêtre, moi j'ai trop chaud. Là. Enlève ton t-shirt. Si je le mets sur le tracteur Kaouzi, à mon avis, je pense que lui, le tracteur, il va vraiment fumer de voir. Non, je pense qu'il me disait que pourquoi tu me passes pas l'ensemble complet. Oh. Le tracteur, il est cassé, il est pas cassé, il est à moitié de sa vie. Et tu sais, Guy, hein, moi, je me serais pas fiché, hein, j'aurais tout décelé, puis j'aurais retourné chercher le 240, hein. Ouais, quelle insulte là. Ah, on est d'accord, Guigui, insulte ouais, là. Ouais, il a réparé, c'est vrai qu'il y a plus vite. Oh, mais il reste quasi... Ah non, si, il reste pas encore, il reste plein de... Non, ça, ton Guy, ça, Guy, j'aurais pas fait. Non mais Hervé, vous avez pas compris, on va lentement puis on prend de gros champs.
C'était exprès pour faire durer le jeu FS19. Tanguy, malheureusement, je dis bien malheureusement, des jeux, pas spécialement que farming, mais des jeux où tu verras des véhicules qui fument noir, tu n'en verras plus. Malheureusement. J'ai là, je trouve qu'il fume beaucoup celui-là, mais c'est un mode, alors... Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que c'est politiquement pas correct. Malheureusement. On est dans un monde où... plus ça va être aseptisé. Et je trouve que là, ça simplifie en 2-3 années, je trouve que ça devient n'importe quoi en fait. Et oui, on aurait pu revoir la série La lettre des parents fumés. Sauf si ils ont cassé le moteur. Non mais même, tu verras pas un jeu où ça fume noir, quoi. De toute façon, maintenant, t'as plus le droit de rien dire, t'as plus le droit de rien faire. Compliqué, et puis tout le monde prend tout au premier degré. Il y a même plus le second degré, il n'existe même plus. Tiens, petite question qui n'a complètement rien à voir. Levez la main ceux qui ont vu la série Squid Game. Alors attends, je les compte. Ma mère, je vois rien derrière mon écran. Je vois pas les mains levées. Parce que je voulais rattraper la ligne droite en fait. C'est pour ça que j'ai fait un marche arrière. Je sais pas que j'étais si loin de voir. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais, il y en a quand même pas mal. Et ceux qui l'ont vu, qui a respecté l'âge. Non, parce que c'est... gros débat polémique cette série. Moi franchement je veux pas. Enfin, je veux pas le débat, c'est une série quoi, point. Alors oui, après oui, faut pas la montrer à n'importe qui. Après voilà, c'est une série qui est interdite au moins de 16, il me semble. C'est interdit au moins de 16 quoi. Mais le problème de toute façon. C'est comme tout hein, moi quand j'étais gamin, j'en parlais le week-end dernier, là, j'étais invité à bouffer. Quand j'étais gamin, oui, ça m'est arrivé de regarder un film, c'était un Dracula, mais je sais pas si c'est sur ce coup-là, mais c'était un plus vieux. Ouais, bah oui, ça m'avait fait peur. Mais sauf qu'aujourd'hui, de toute façon, on te donne plus rien à regarder, puisque de toute façon, il n'y a plus d'éducation. Moi, j'ai vu les trois premiers, j'aime pas. Bah écoute, moi, j'ai bien accroché sur ma... C'est marré, voilà. Je te dis, il m'a même pas tenté, moi, il dit. Je trouve pas le truc polémique, quoi. Bah, en plus, moi, j'ai pensé à toi en le regardant, aussi. Eh, mais pourquoi? Il y a des fantômes? Non, c'est une série coréenne. Oui, non, mais je sais que c'est une série coréenne. Il y a rien de plus que d'autres séries, comme ça, ou Walking Dead. C'est pire, il y a... C'est pas politique, c'est polémique. Non, mais... Pour ceux là qui ont 30 ou 40 ans, je me dis, mais nous à l'époque quand on était gamin, on regardait des trucs comme Ken le survivant. On regardait ouais, mais t'avais plus le sang. Ouais, mais même ils étaient là, censurés en fait. Quand tu regardes les. Tu regardais les Cobra avec les filles qui sont toutes moitié à poil. Non, mais dans les films, t'avais le droit de voir des nichons. Maintenant, t'as même plus le droit dans un film standard.
Regarde, tu prends gazon maudit. Prends rien que celui-ci. Maintenant, il pourrait plus sortir gazon maudit. Mais ouais, bah, je me dis, mais c'est dingue quoi, les trucs là. Et moi, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. On est devenu plus puritain que les puritains. Les sauts, jamais tu les verras, les... t'auras plus de suite maintenant. Ah ben, ça aurait été la saucette, hein. Non, mais dans voilà, de la mer aussi, ouais. Je veux dire, tu prends... Ah oui, et les dents de la mer, à l'époque, les gamins de 10 ans, ils regardaient, quoi, je veux dire... Enfin, je sais pas. Oui, mais le problème... Mais non, mais le problème, c'est un... pas un problème de génération. Oui, c'est un problème de génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on n'est fait plus d'éducation, bah maintenant, ça part en vrille. Dans le temps, t'avais une pseudo-éducation quand même. Bah, je sais pas, j'ai regardé 60 secondes chrono et puis ça me dit pas de faire des go-fast, bah, des cases de bagnole ou des go-fast dans les villes, quoi. Ouais, mais Anthony, le problème, c'est que sous prétexte de, eh ben maintenant, on c'est plus facile d'interdire à tout le monde plutôt que de, c'est des gros que de faire ça. C'est des gros problèmes d'éducation. Oui, mais c'est tellement plus facile d'interdire à tout le monde. Mais bon, voilà, moi j'ai regardé la série Squid Game, j'ai pas trouvé ça plus polémique qu'autre chose. La seule polémique, en fait, c'est parce que comme c'est violent. Pourquoi il a déjà poussé le champ. C'est, à mon avis, c'est les mauvaises herbes. C'est ou alors t'as mis la croissance vénère, rapide. Bah ouais, bon enfant. À mon avis, c'est des mauvaises herbes, ça, hein, c'est pas des. Puis, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas entendu dire qu'il y a des jeunes qui rejoignent le grand soleil, ils se sont butés, quoi. Oui, ils se sont tapés. Oui, mais le problème, il est. Tu vois, comme Guy dit, même maintenant des Disney, ça fait polémique. Ah oui, oui, ah ben. Oui, mais. C'est, on en revient toujours au même. Mais de toute façon, là, ils sont en train de se plaindre que, qu'au niveau de l'éducation nationale, ils ont plein de problèmes avec les jeunes et des choses comme ça. Quand tu sais que maintenant, t'as un gamin qui peut porter plainte parce qu'il s'est pris une claque sur les fesses, par exemple, parce qu'il a fait une bêtise, bah, il faut pas aller plus loin. Hein. On paye ce qu'on veut. Hein. Je vais porter plainte alors. Au nombre de baffes qu'il lui suffit dans la gueule. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je pense que t'as eu la même et puis tes parents ont eu la même. Et dire, tu faisais une connerie à l'école, tu t'en prenais une par le prof, puis tu rentrais à la maison, tu t'en prenais deux. Ah, tu prenais l'aller par le prof et tu prenais le retour par le prof. C'est ça. Je t'ai répondu avec le 17, c'est Vénerland, le DLC. Et puis, c'est pas pour autant que ça a fait de nous des enfants maltraités et puis oh, je suis un délinquant. Des parents. Et des parents potentiellement parents de maltraitants. Et regarde, par exemple, il faut plus leur mettre des heures de colle aux enfants, parce que ça va les traumatiser. Oh putain, ben... C'est vrai que je suis traumatisé, moi, avec le nombre d'heures de colle que j'ai eu. Mais non, mais... Puis après, ils s'étonnent qu'à un moment donné, je sais plus, j'ai regardé un reportage, Nike qui se plaignait, ah oui, mais vous comprenez, regardez la jeunesse, elle respecte plus la loi. Et le gamin qui était en face, il est passé devant le juge 67 fois, il a eu 67 rappels à l'ordre. Voilà. Non mais je crois qu'on est tombé dans le tic de pousser, parce que là tu viens de Disney, ils sont en train de pousser. Non mais je te dis, c'est des mauvaises herbes. On est dans le tic des mauvaises herbes. Salut Thomas. Non mais franchement, quand je me dis, putain, mais heureusement que j'étais gamin à l'époque où je l'étais, quoi. Parce que je me dis, mais maintenant, ça devient trop aseptisé, quoi. C'est la baume, Timothée. C'est la baume. Ah non, mais tu sais même plus aseptisé. De toute façon, on en fait des enfants rois maintenant. C'est pas compliqué.
Pas forcément des enfants rois, mais... Putain, tu vois, nous regarder les Dragon Ball Z, regarder les Ken, les survivants, les Cobras, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais. On avait la pémette du Colaro... Chaud. Colaro chaud le dimanche et machin. T'avais la classe aussi, qui était pas mal, dans son genre. Salut Fred. Ça va très bien, Thomas. Donc voilà, non mais il faut plus s'étonner maintenant. On m'a toujours dit, demain je dois venir te chercher, j'ai pas marié. Je t'en mets une, elle sera une. J'ai jamais fait sonner, toujours le respect envers l'État. Non mais c'est même pas qu'un respect envers l'État, c'est un respect tout court devant les gens. Moi je plains. Franchement, je veux dire, je plains les jeunes de maintenant, quoi. J'en parlais avec un opérateur, c'est vendredi. Je lui donnais un coup de main, puis on parle de ses gamins. Il me dit, moi, ce qui m'énerve le plus dans mes gamins maintenant, c'est... Bah, ils sont toujours sur leur téléphone. Il me dit, l'autre jour, il a fait une connerie, je lui ai supprimé son téléphone. Et le gamin, il a dit, mais... Je fais quoi maintenant? Ouais, mais ça, c'est un peu aussi de sa responsabilité. Déjà, il est devant son téléphone. Non, mais un gamin, entre guillemets, quand tes parents, sans lui rejeter la responsabilité, c'est un moment, faut aussi les occuper. Oui. C'est-à-dire, faut leur apprendre le goût de la lecture. Même oui, moi, si j'aime pas lire, faut jouer avec eux à des jeux de société. Quand t'étais gamin, je pense qu'on l'a tous été. Moi j'allais dehors, je jouais au foot avec. Voilà, j'allais faire le con dans la forêt. Oui, mais pourquoi des cabanes, Ouais, mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, moi, ma mère, mes parents, ils m'ont jamais acheté de console. Les Game Boy, j'en ai eu très tard. Le téléphone, je l'ai eu, il est jamais 16 ans. Voilà, moi, après, c'est aussi un choix des. C'est aussi un choix d'éducation, le problème il est là aussi, donc à un moment donné on paye les choix aussi qu'on fait. Hein. Tu sèmes des mauvaises herbes, ouais, je sème des mauvaises herbes. Le truc il est aussi là, quand les gens ils disent ah mais mes enfants ils restent toujours devant les téléphones, tu lui enlèves et puis... devant mon PC avec un pack de bière, voilà, donc ça va pas ouf. Ben moi je te dis Thomas, bon anniversaire à toi, 18 ans, voilà. Alors, là, t'es pas tout seul, avec nous. Avec nous. Ouais, hein, d'abord. Ah oh, bah c'est sympa pour nous, ouais ok. Et moi vas-y, il vaut toujours être seul que mal accompagné. Je sème l'amour. Bon, je te laisse terminer. Je vais aller poser ce mois-là à la ferme. Ouais. Je vais aller chercher la batteuse pour faire le champ 15. Bah, il faut pas désherber, il faut semer l'engrais déjà. Oui, bah, tu sèmes de l'engrais, toi. Ouais, je peux semer de l'engrais. Il suce un petit peu, ouais. Bon, ça va. Ouais, mais parce que c'est pareil, tu vois, regarde. J'adore les bots sur Internet. Hein. Audrey, on va te taper sur les doigts. T'as utilisé des mots interdits. Oui. C'est pas bien. Quel mot interdit? L'avant-dernier, par exemple. Je ne sais pas, c'est quoi le mot interdit? Oui, mais tu vois, l'algorithme ne l'autorise pas, alors que bah, dans le contexte, il n'y a rien de choquant. Désolé de le dire. C'est choquant. I'm shocking. Du coup, on est obligé de leur taper sur les doigts, quoi. Non, mais... Ouais, c'est là où le problème des algorithmes. Vous voyez les problèmes. De la carte. Vous voyez les problèmes avec les algorithmes. Des mots maintenant, ils ont plus le droit d'être utilisés parce qu'ils ont plusieurs sens. Oui, bah alors je t'explique pas avec la langue française.
Et bah c'est un problème, par exemple, t'as sur Twitch, tu peux être banni par exemple, si tu utilises des mots, il y a même des mots de la vie courante que tu ne peux plus utiliser parce que dans certaines langues ils veulent dire c'est des mots interdits. Mais si t'as des gens qui sont derrière pour le faire. Mais tout le monde est qu'une demandeur à parler là. Ouais, mais t'es gentil là, mais tu sais qu'on a plus beaucoup de sous là. Bah, on a moins déjà. On a moins. Non, Thomas, c'est une partie qu'on fait qu'en team. C'est déjà pas mal, on en a moins. Parce qu'il y a tous les modes. Pourquoi Guy, tu vas aller faire le trottoir? Ouais, moi je suis avec un shader là. Je suis avec un shader. Or. Bien ce casque, mais tiens, chaud d'oreille. Là, faut que je marche. Bah non. Par là, là-haut. Achète quoi? Les mousses pour les oreilles. Ah, les protections. Pour avoir plus d'argent. Ouais, c'est pas faux, ouais. Moi, j'ai investi dans un nouveau micro. Alors, les shaders que j'utilise, voilà. C'est le HDR, le HDR machin, la Adaptive Sharpen. Je te laisse ça si tu veux voir ce que j'utilise. Autrement, c'est les Richard plus les trucs qu'il y a là-dedans, quoi. Après, y a rien de perso. Moi, ouais, j'apporte rien du tout, Guy, moi. Moi, tant qu'on me paye pas, je rapporte rien. C'est vraiment pas là. Ça consomme beaucoup de ressources, un shader, oui. Et plus t'en empiles, plus ça en consomme. La barre de coupe, allez. Ah bah là. Il y a le ray tracing sur la phase 19, non. Non, c'est vrai qu'ils ont pas mis. Ouais, alors déjà, vaut mieux pas parce que. Au moment, le 19 est pas forcément le plus optimisé des jeux. La barre de coupe, elle est dehors, Guy. Oui, bah oui, je suis là dehors. Elle est près du bois, elle est en face de toi. Bah, je suis un bon monde, je suis le glace. Non, Audrey, j'ai pas d'enfant, donc comme ça, le problème, il est réglé. Si, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, la signification du mot, mais l'algorithme de YouTube ne le sait pas, lui, par contre. Qui a plusieurs sens. Ah, oui, mais c'est là que ça passe pas. Bon, allez, hop. Faut que tu passes par le champ derrière. Je crois qu'on n'a pas de remorque de remorque en plus. Le panneau ou pas? Non, j'ai pas fini.
Ah oui, c'est vrai en vérité. Ah oui, non, bah les vieux tracteurs, ça consomme, oui. Ça consomme autant d'huile que ça consomme de gasoil, je crois. En plus, aussi. Non, quand même pas. Bah, peut-être les deux. Le ray tracing sur le 22, je pense pas non plus. Ah, par contre, c'est l'avant que je vais avoir un problème. Oui, bah, je vais passer par le champ combien de semis. Hein. Hop, ça enfoncera un peu plus les graines dans le sol. Ça enfoncera les graines dans le sol. C'est bon pour les semences. Bah en fait j'ai mis là en fait je suis en contenu attends je sais même plus c'est contenu pour adultes modifié personnalisation c'est pas ça là alors en fait, sur YouTube, tu peux soit dire oui, il est conçu pour les enfants, ou soit non, il n'est pas conçu pour les enfants. Et après, t'as une limite d'âge. Voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, ma vidéo n'est pas conçue pour les enfants, mais un enfant peut venir la regarder. Donc, en effet, oui. Non, mais de toute façon, Guy, tu peux mettre les sécurités du monde partout. Et ça fonctionne pas, donc Salut Kevin, salut Timothée. Alors, un shader, c'est simple. Hop là, je vais te faire montrer. Hop. Ma souris de bien bouger. Hop. Si je le désactive, je ne devrais pas le désactiver sans faire de conneries. Bah, en fait, là, si je désactive ça. Là, voilà le farming de base comme il doit être. Bah, je vois pas de différence entre toi et moi, Guigui. Hein. Moi, je l'ai de base. Hein. Peut-être. Alors, peut-être parce que ça je passe par YouTube et puis ça permet d'avoir un truc bah plus flashy bon. Plus avec un grain peut-être un peu meilleur plus de contraste plus de netteté. Par contre, Guigui, t'aurais pu laisser la paille. Mais on peut pas de paille de ce genre. Il y a le ray tracing sur la FS19 avec un patch. D'accord. Ouais, mais alors les patchs ray tracing. On voit sur Minecraft. Sur farming. Ah, si, si. Si, si. Si, sur Minecraft tu vois vraiment la différence. Oui, non mais je dis pas de voir la différence ou pas de voir la différence. Mais quand je vois sur Minecraft quand moi je l'active avec un patch, parce que sur Minecraft basique comme on a nous, il n'y est pas le ray tracing, faut louer la version Windows. Et quand je vois les FPS quand je l'active, je fais déjà maman. Là oui, quand je vois les non, FPS, mais on déjà est... je tourne à 30 FPS. Non mais là sur farming il est pas optimisé donc En vrai un shader fait mieux que le ray tracing. Mais on voit la non. Quand même. Non Hervé c'est pas le c'est pas raté sur FS. C'est que FS n'a jamais été prévu pour, donc c'est ça peut pas fonctionner proprement. Live sur Minecraft, je ne sais pas. Parce qu'en plus, j'y pense. La semaine prochaine, moi, je suis en vacances. Et je vais descendre. Je vais descendre chez mes parents. Donc ça se trouve, samedi prochain, il n'y a pas de live.
Je sais pas quand est-ce que je descends, je n'ai pas fait mon planage. Il y en a qui ont de la chance ici, il y en a qui partent en vacances quoi. Ouais. Yokema. C'est ça. C'est ça, Audra. Ça leur coûte quoi en vrai? Bah développer en retracing. Et ça coûte du temps. Cette nuit moins une heure, pensez-y. Non, plus une heure. Non, moins. Ah non, plus. Ah non, moins. Plus. Moins. Ah non, je vais dormir une heure de plus, donc c'est plus. Bah oui, mais c'est moins. Non, c'est plus. Pourquoi j'ai fait 14% en nettoyage du champ? Ah, parce qu'il a pas été. Je me demande même s'il n'y a pas une autre plateforme comme YouTube qui existe, même si Dailymotion n'existe plus. Si Dailymotion existe encore. Sauf que plus personne n'en parle, mais. À quand le prochain RP? Oula! Bah jamais. Bah si, vous l'avez tous les mardis, jeudi et puis samedi. On joue RP là, Guy! À 3h, il sera 2h. Mais du coup, à 2h, il sera quelle heure? Bah, 2h. Oui, alors Hervé, oui, il faut enlever une heure sur la pendule. Mais moi, je dors une heure de plus. Bon. Bah vu qu'on enlève une heure sur la pendule. Oui mais vu que ton corps sera habitué. Ah bah je serai levé à 7h, à 6h oui, ça c'est sûr. Puis d'abord on peut pas enlever une heure sur la pendule. Parce que sinon ça ferait plus des journées de 24 heures. On change à 3h. Oui mais à 3h il sera 2h. Mais alors du coup, à 2h il sera quelle heure? Des trucs philosophiques à 22. Bah, c'est comme le truc qui m'a fait toujours halluciner. Et c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment philosophique. C'est la question du. Si un arbre tombe dans la forêt, mais qu'il n'y a personne pour l'entendre tomber, est-ce que l'arbre fait du bruit ou pas? Bah non, pas de bruit. Bah on sait pas. Puisqu'il y a personne pour entendre. De toute façon, moi je dis, ça me fait rire parce que on devait plus changer d'heure. Oui, bah ça. Salut Benjamin. À 2h il sera 2h. Oui mais si à 3h c'est 2h, donc 2h c'est pas 2h. Mickey. Salut Guy, petite pensée pour ceux qui vont bosser cette nuit car ils vont bosser une heure de plus. Ah, ça c'est con ça. Comment ça j'ai pas assez d'argent? Pour? Bah pour acheter de l'engrais. Ah ça c'est con. Donc faut que tu fasses un emprunt. Bah attends, il y a 2000 litres de soja là qui vont pouvoir se vendre. Bah oui mais ouais, le problème c'est que moi il me faut des trucs petits. Oui, bah au pire, tu viens avec le tracteur et la belle, au pire. Non. Guigui, demain, le live sera à 8h au lieu de 9h, ou c'est à 9h, je bûche plus rien. Bah Audrey, tu vois, tu fais comme moi. Moi, j'ai que des équipements qui sont connectés. Donc du coup, bah j'ai pas besoin de changer l'heure. Je change tout seul.
Là, avec ça t'as assez ou pas? Ouais, ouais, je... Par contre, c'est con pour celui qui a lancé un live 24 heures ce week-end. Il va faire 25. Non mais le jeu il est le pulvé qu'on a il est bête que tout à l'heure tu sais j'avais j'étais venu remplir oui il m'a rempli le début de la cuve de devant oui. Et un peu de la cuve de derrière oui mais il m'affichait pas comme quoi qu'il était pas plein non. À 100% il y avait toujours les deux bords et tu voyais rien sur la deuxième bord du coup je suis parti avec un pain full. Non, moi la mienne elle se change automatiquement là pour du de la voiture. Non, moi, j'ai dû... non, moi j'ai dû l'enlever. J'ai dû l'enlever moi le... justement la pendule de la voiture. Parce que sinon elle me colle sur leur anglaise. Bah parce que si tu l'as pas programmée correctement. Si si justement elle est bien paramétrée mais elle me le colle quand même sur leur anglaise. Parce qu'elle est en GMT. Ce débat de ouf. Bah quoi, on a le droit de faire des débats... Alors, êtes-vous plus heure d'hiver ou heure d'été? Non, petit Ludo, normalement, si comme Guigui dit, si tu l'actives bien, t'as pas besoin de la changer non plus. Ok, alors si je roule à 3 km/h, ça veut dire que je suis à 2 km/h ou pas? Bah ça dépend Audrey, si c'est 3 km/h à 3h du matin ou 3 km/h à 2h. Mais oui, mais là pour le coup, Audrey, elle a relevé la bonne question. Parce que si tu roules à 3 km/h, mais vu qu'à 3h du matin, ça sera 2h. Donc à combien tu roules? Puisque l'heure n'est plus l'heure. Ah oui, non mais c'est ça le problème. C'est le débat. C'est tout l'enjeu de ce débat, c'est de savoir à quel moment on sera à 2h du matin. Parce que entre 3h et 3h du matin, il se passe quoi demain? Qu'à 3h, il est 2h. Oui, mais alors entre 2h et 3h, vu que ce sera 2h, donc du coup, bah entre 2h et 2h, il y a eu quoi? Bah, c'est ça la question. La question aussi, c'est qu'est-ce que fera Audrey quand il sera 3h du matin? Ah, là, après cela, nous on regarde pas. Le pas, et on sait jamais. Mais non, mais parce que dans le cas, s'il y a 3h, il est 2h. Oui. Ah, peut-être qu'elle fera autre chose que ce qu'elle aurait dû faire quand elle était 3h. Bah ouais, mais moi, pour le coup, je me pose une question. Ouais, si tu roules à 50 km/h. Mais vu qu'à 3h il est 2h, donc 2h de 2h, donc tu roules à combien? Ah oui, ça c'est con, Sam Sam. Ah oui. Ah non, mais la réflexion de Sam, elle est pas mal aussi. Un bébé qui naît entre 2h et 3h, il est né à 2h et à quelle heure? Parce que vu qu'à 3h il est 2h. Bah en fait, il est né deux fois. Non, ok, je suis intéressé par personne. C'est le Nice. On se pose des questions philosophiques. Existentielles. Et existentielles aussi par la même occasion. Eh oui, mais Audrey, il est à 3h.
comme il va être 2 heures. Qu'est-ce que les gens ils vont faire alors là? Imaginez un extraterrestre qui débarque sur Terre à 2h30. Il arrive à 2h30, mais en fait une demi-heure après c'est 2h. Donc en fait il est arrivé avant qu'il soit arrivé. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il fait du coup? Bonne question Guy, bonne question justement. Salut Noah. C'est comme maintenant, 29 février. Ah mais ça c'est différent ça, tu prends un an tous les 4 ans, ça c'est... Bah non mais c'est vrai, pour le coup, si l'extraterrestre il est arrivé à 2h30, du coup il est arrivé avant d'arriver. Ah oui. Il y a un timelapse. Ah, le fameux timelapse. Timelapse. Bah, ceux qui sont sur une année bissextile, ils augmentent d'un an tous les 4 ans. Ça, c'est... Il n'y a pas de souci là. Hein. Du coup j'ai mal au crâne tout de suite. Non mais après ça Audrey, cela ne nous regarde pas hein. Bah ou pas. Bon, j'ai fait à peine une demi-trémie sur le bordel. Ben non, Guy. Tous les 4 ans, il prend pas 4 ans parce qu'il est né un 29 février. Il y en a un que tous les 4 ans, donc il a pris qu'un an. Ça va bien être rentable le champ là. En même temps c'est un champ de base donc. Non, le plus chiant, celui qui est le 29 février, c'est qu'il reçoit des cadeaux tous les 4 ans, quoi. Ah mais, ouais, mais du coup, il en reçoit 4 fois plus. Bah pas forcément. Ah si. Bah non. Marc, c'est comme celui qui est né un 23 ou un 24 décembre. Enfin, l'avantage, c'est ceux qui offrent les cadeaux, du coup. On offre une fois tous les 4 ans. Ou tu offres un cadeau de Noël et d'anniversaire en même temps. Non, ça c'est pour le 25 ça. Ah ouais, tout à fait. J'aime. Une colle à carrelage qui sèche en 24 heures. Cette nuit mettra 25 heures alors. Et ceux qui travaillent de nuit alors. Bah oui, ils doivent faire 8 heures de leur nuit. Ils en font 8, ils en font 9 heures alors.
Moi je dis que le mieux c'est de naître le 14 février. Quoi, c'est ton anniversaire? Non. Travaille une heure gratos. Ouais. Par contre, j'ai pas vu dans FS22, enfin du moins dans leur machin, il y a toujours pas de Josquin hein, en marque de matériel. Je sais pas, j'ai rien suivi du tout dans leur truc. Bah, j'ai suivi un petit peu, j'ai regardé, mais il y a toujours pas de Josquin. Hein. Oui, bah... Ouais, alors ça, je connais aussi. J'ai un pote, il est né le 11 septembre. On achète du désherbant ou pas? Bah, je pense, ouais. Bon, bah, plus 5000. Bah, vas-y, tu peux en acheter. Y'a Josquin? Je l'ai pas vu, Josquin. Farming... Simulator. Oui, mais il y a encore le temps. Il y a encore un mois avant qu'il... Avant la sortie du jeu. Non, non, il n'y est pas, Josquin. JCB, Jens, John Deere. Dans le 22, il n'y a pas. Il y a Ibi, Akko, Rissem, Agromaz, Albut, Alpego, Amazon... Amity, Anderson, Anna Burger, APV, Arcusin, Bednar, Bergman, Bachmann, Brantner, Bredal, Bremer, Grilly, Bureur, Capello, Kaz, Challenger, Class, Convey, Dalbo, Duncan, Degelman, Dutz, Duvolsdorf. Ça, j'arrive pas à le prononcer. Et tu regardes dans les J, t'as JCB, Jens, John Deere, c'est tout. Alors Elvis, pour te remettre la situation, c'est comme on recule d'une heure, donc on a une heure de plus. Par contre, oui, Pottinger, il y est, et il y a des jolis... Pottinger... Après, question Audrey. Si tu nais à minuit, entre le 31 et le 1er, t'es né le 31 ou t'es né le 1er? La presse, elles sont magnifiques, là, en rouge et blanc comme ça. Je pense que ça, c'est des presses qu'on va prévoir. Ou pas, Guy? Ouais. Oui, c'est pas faux, ça. Il est pas capable de se pointer, lui, à... Bah oui, pour l'instant la marque Josquin n'est pas référencée, donc j'espère qu'ils vont nous mettre des belles, puis du matériel Josquin, parce qu'il y en a quand même pas mal. On dit Pottinger. Ah, moi je dis Pottinger. Of course, because my English is very well. I speak a little English. Hola, Tidam. Welcome on my stream.
Non, il y aura pas Roland, mais il y aura la Roland. On est en pleine réflexion, petit dame. Comment ça va-t-il? Bah, very well. Ah, je vais me mettre à streamer en anglais maintenant, les amis. Hein. Voilà, c'est la grosse nouveauté du FS22. Ça va être en anglais pour attirer la communauté anglaise. Ça va falloir qu'on apprenne l'anglais. Yes. Of course. Because the LFD become international stream channel. Why, Guy, why? Hello, Sébastien. Mais ça c'est pareil, Jérémy, les fact sheets de FS22, ok, tu vois qu'il y a une tonne à Ojoska, mais elle peut être implantée dans un an. Hein. Comment ça, Hervé, t'es pas pote avec les langues étrangères? Non, je vous rassure, hein, je ferai pas de live entièrement en anglais. Déjà, j'arriverai pas à tenir le live complet en anglais, déjà. Déjà, on cause déjà pas bien la France, alors comment que voulez-vous qu'on cause l'Angleterre? Yo, bien, mec. Wesh, bien. Bien, bien. Ah, oh, déjà, le jour, je me suis chié à passer, donc. Ouais, c'est pour toi que je bloque. C'est bon. Hop là. Mais en belge, oui. Oh, ça, le belge, je peux vous parler en belge une fois.
dit ces mots, on voit plus ta copine. Hein. Il l'a mis à la porte. Laquelle? Bah la blonde à force de poitrine. Plusieurs. Je galère un peu, non. Il y a un con qui est venu poser ses big bags par là, là. Ses big bags, c'est jerrycan. Hein. Bon allez, on va regarder un peu où vous y travaillez. Comment ça? T'avais pas acheté un... comment ça s'appelle là, pour enlever les... T'sais, si tu sais pas quoi faire, tu peux aller hercer le champ, Guy. Une sarcleuse, tu veux dire? Non, j'ai ouais. Pas. Mais tu sais que tu peux aller hercer le champ? Bah, tu sais que j'ai un semoir direct. Bah oui, bah va ressemer, vas-y. Ça faisait un moment que j'avais pas regardé vos lives. Bienvenue, Jérémy. Gang des phoques, pourquoi tu ne fais pas des mods pour console? Bah déjà, d'une, parce que j'ai pas de console. De deux... deux, parce qu'on a pas le temps. De deux, je fais pas de mods, je fais des maps. Tiens, j'en bave. De deux, on n'a pas le temps, puis de trois, ça nous intéresse pas. Ou alors il va falloir nous payer très cher. Alors la question c'est est-ce que tu prends le 240 chevaux, c'est ça Guigui? Bah non, du coup je suis parti vu qu'il est déjà attelé. Bah moi je parle français, petit chinois et anglais, mais anglais. Ah, vous voulez jouer à ceux qui parlent les langues. Moi je parle français. Des fois ça m'arrive de parler l'FD aussi. En quasi Audrey, tu parles plus de langues que moi maintenant, hein? Alors, Dak, mais faut penser à tout le monde. MDR, ton modding vaut rien, c'est normal, je fais pas de modding, je fais que du mapping. Et en plus, tu touches de l'argent quand on télécharge tes mods. Non, parce que c'est sur. Mega Upload, donc je touche zéro. Regarde, c'est comme quoi tant que tu achètes le jeu avec le code promo pour FSA 2, t'as 2€ ou 5€ il me semble, donc t'es payé. Alors déjà c'est pas 2 ou 5€. Guy, prévois-tu de changer de voiture? Prévois de changer de voiture, j'aimerais bien. Alors. Je vais répondre parce que c'est apparemment c'est à moi que c'est adressé. Comme il disait, de 1, on fait pas de mode. Déjà, on touche rien du tout. 2, je ne fais pas de mode, donc je touche encore moins. Trois, m'en cogne. 4, ça m'intéresse pas. Et 5, j'ai pas besoin de ça. Et 6, j'ai pas besoin de ça non plus. Non, franchement, je vais dire tout de suite, hein, le paiement avec les téléchargements des mods, c'est pas à notre niveau où, voilà. Je veux dire, franchement, avec la map FS17, les fermes de lin, je crois que j'ai dû toucher 10 balles. Alors, 10 balles... 7, je fais pas de vidéo, ni de...
ni de stream. Non, c'est pas qu'on pense qu'à nous. C'est qu'on fait les choses pour nous. C'est pas la même chose. À la base, moi quand je fais du mapping ou quand je fais, si je faisais du modding, je pense déjà, oui, à moi en premier parce que j'y fais pour moi. Après, si je peux le partager avec d'autres, tant mieux. Le problème, c'est que les consoles, surtout pour FS19, c'est très contraignant. Alors, pour ça, non mais parce que je pense qu'ils ont... on va pas le battre. Je pense que les gens ils savent pas ce que le truc pour les consoles. Les consoles, quand vous faites une map, des mods pour console, il faut les envoyer à Giant qui doivent valider le mod. Ensuite, Giant doit l'envoyer à Sony ou Xbox pour qu'il valide le mod aussi pour pouvoir l'avoir sur console. Tu veux dire Audrey? Parce que là, mis à part rater soi, c'est tout ce que je peux te répondre. Bah oui, lol. Après j'ai compris en Belgique. One à mon avis c'est gagné. Je crois qu'il gagne. Peut-être qu'en Belgique il gagne rien, ouais, c'est peut-être possible. Yo Emile. Bon, moi à la base, YouTube. Le mapping, c'est vraiment déjà d'une pour me détendre, me changer les idées aussi, mais voilà, rien de plus. Et puis en plus, surtout, le mapping que Guigui fait, c'est d'abord pour nous. C'est ça. Parce que les maps, entre guillemets... Salut à nos amis québécois. Alors... Pour information, les maps, on dit pas, elles sont belles. Hein. Là, par exemple, c'est une belle map, hein. Mais c'est pas des maps qui nous correspondent. De quoi ? Celle-là ? Ah, si, la baume, elle est un peu plus celle qui nous correspond. Oui, non, mais je veux dire, comme la map est bien, elle est vallonnée, machin, tout ça, les champs sont pas très grands, machin et tout. Par contre, le corps de ferme, je l'aime pas. Donc, du coup, on fait des choses pour nous. Pour avoir la map qui, ouais, sur laquelle on a envie de jouer. Non, mais désolé d'avoir été franc, mais au départ, je pose la question à Guigui. Oui, non, bah oui. Donc moi, je te dis, moi, je fais... Ozzy, t'as répondu, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de développer la map pour console ou tout comme ça. Ça demande trop de temps. Je ferais ça, ça serait mon métier, youtubeur ou truc comme ça. Oui, je dis pas. C'est quoi ma RTX ? Une 3080. De chez MSI. Tout à fait, dit Ludo. Bah, tu sais, donc c'est vrai que pour le coup, du 19, des modes, je crois qu'on tourne là avec le pack qu'on a là, mis à part la grosse star là, que j'ai rajouté il y a pas si longtemps que ça, le pack des 1000 vaches n'a pas évolué depuis qu'on est passé sur les fermes de lin. Donc, j'ai eu fait quelques mises à jour, mais. Non, il a pas évolué. Oui, mais ça c'est normal Jimmy, que vous ayez pas de conflit. C'est normal que vous ayez pas de conflit.
Ils sont vérifiés 4 fois les mods. Qui n'est pas fait sur PC. Ah Audrey, t'as été médisante hein, quand même, il a fait du 5 km/h. Après, oui, après, c'est sûr que j'aurai du temps, je serai youtubeur à plein temps, je serai, oui, je prendrai peut-être mon temps pour sortir des trucs sur console, machin et tout, mais là, pour vous, c'est pas du tout mon job. Je viens en Belgique, t'avais quand même trouvé 3 mots et t'as pas des langues belges, c'est du néerlandais ou français. Toutes les langues est belge et en français. T'inquiète pas, langue des phoques, pas de problème hein, sur FS22, vous aurez les mêmes problèmes que sur les PC. Hein. Vu qu'il y a le droit à crossplay. Bah, ce sera ce qu'il y a sur le modem, donc au final, voilà. Sachant que les PC vont devoir s'adapter aux consoles, c'est-à-dire qu'en fait, si un joueur PC joue avec un joueur console, ben, la version PC va être aussi bridée que la console, en fait. Donc je sais pas combien c'est bridé sur console, admettons, si vous êtes bridé à 50 items. Non, mais il faut attention. Ça, c'était sur PS4 et Xbox. Non, mais peut-être que sur le 22, t'auras plus les questions de bridage. Si, justement, je vais en parler. Les PC seront bridés comme les consoles, en fait. Si tu joues avec quelqu'un sur console. Oh, puis en plus, on dirait. Elle nous a même pas ramené des frites. Qui ça? Audrey? Pourquoi? Elle a dit qu'elle était belge. Oui. Bah, elle nous ramène pas de frites. Bah ouais. À la base, non? Oh putain. Quand je vais descendre chez mes parents, je vais prendre ça. Bonne moule frite. Ouais, non, pour ce... Il fait partie du DLC, ouais. DLC Green Island. Et d'ailleurs, il était sorti sur FS10, FS15, à la base. Ça va, très bien, Benoît. Bref, pour la saison 2, on verra dans 3 semaines. Bah, c'est aussi un peu pour ça que le mapping, nous on fait pas grand chose à l'heure actuelle. On va faire les routes là, demain matin. C'est que j'attends vraiment d'avoir le jeu entre les mains déjà pour pouvoir continuer un peu plus fort le mapping et voilà quoi. Le stream sur Facebook c'est une option, après est-ce que c'est la meilleure, je sais pas, est-ce que c'est la pire, je ne sais pas. Moi je trouve que Facebook, pour moi franchement Benoît, c'est pas vraiment une plateforme dédiée au stream en fait. Les polygones dans le ballon.
Oh mais t'inquiète pas, hein, Gang des Fox, je te rassure, hein, sur YouTube c'est pareil. Moins quand même. Enfin, ouais, mais parce que... ouais mais parce qu'on modère, on a modéré aussi et puis on a modéré fort. Oui, c'est parce qu'on a modéré, modéré fort à un moment. DLC Vénerland vaut-il le coup? Je te dirais, au moment que ça sortit, oui. À l'heure actuelle, maintenant, aujourd'hui, non. Si tu penses acheter le 22. Mais oui, il valait le coup, c'est sorti, quoi. Surtout sachant que le 22 sort dans 3 semaines. C'est ça. Comme je le fais débuter, je voudrais savoir quel logiciel qu'il faudrait, etc. Bah, après, moi je te conseille, si vraiment tu débutes, tu peux commencer avec. C'est comment ça s'appelle c'est pas OBS, mais c'est Streamlabs. T'inquiète pas, Gang des Fox, t'es pareil sur YouTube, hein, t'as pas plus de restrictions que ça. Hein. Va sur Twitch, c'est le meilleur des réseaux, pas forcément. Je suis pas sûr, hein, pour le coup, maintenant, depuis leur nouvelle sortie politique. Pas forcément. Et pour débuter, OBS. Si tu t'y connais en informatique, oui. Si tu t'y connais pas en informatique, moi je te conseille Streamlabs. Streamlabs OBS. Et toi, Gang des Fox, tu parlais de ban. Juste un truc con. Complètement con. Sur Twitch, tu peux te faire ban pour une connerie. C'est-à-dire, par exemple, tu joues à. Je sais pas ce qu'ils jouent à l'heure actuelle en ce moment. Un jeu où où t'as Docteur Disrespect qui est en face de toi, bah tu te fais ban. Alors non, tu fais pas dans le. Enfin... Si non, alors c'est même pire que ça en fait. Twitch a une liste de personnes bannies. Si une de ces personnes passe ton écran et est visible de la communauté Twitch, tu peux te faire bannir. Par exemple, si tu utilises, je dirais n'importe quoi, le mot sauce dans ton live, Twitch peut te bannir. Puisque peut-être que dans une langue indienne ou des pays d'Amérique du Sud, c'est une insulte. Si tu dis YouTube, vive machin bidule chouette. Là, le mec se fait ban. Ça, après, c'est comme sur toutes les plateformes. Mais sauf que YouTube est un peu plus tolérant vis-à-vis de la communauté. Toi, comme on dit là, par exemple, admettons, je suis sur un Discord d'un gars qui s'est fait ban de Twitch. Je lance un live Twitch. Sa voix est reconnaissable et tout. La chaîne elle est morte. C'est clair, net et précis, Twitch il ferme. Que YouTube, là-dessus pour le coup ils s'en foutent. Juste pour vous dire, par exemple, moi pourquoi je ne stream plus sur Twitch? Tout simplement parce que je faisais des lives sur Twitch, j'en faisais beaucoup. Je faisais un live par semaine sur YouTube, ben ils m'ont envoyé un message en me disant stop les lives sur YouTube. Non, j'ai envie de faire ce que je veux. Donc du coup j'ai arrêté de live sur Twitch. Après surtout en plus que depuis qu'ils ont mis leur nouvelle politique de prix, c'est là où c'est devenu un gros scandale à mon avis. Pour que les streamers ne perdent pas d'argent, ils doivent faire un quota d'heures. Après, oui, t'as un quota d'heures, ouais. Pour que tes revenus restent les mêmes.
Donc voilà, donc moi je suis bien sur YouTube, en plus c'est là où on a la plus grosse communauté. Le plus dur c'est de se faire une communauté en fait. Que tu sois sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, sur à l'époque sur Mixer, tout ça. Non mais dans le défaut, t'as le moins 18, c'était une filmisterie sur Twitch. Bah, non mais il faut être clair, net et précis. Non mais c'est clair, net et précis. Je veux dire, t'as juste à cliquer sur un bouton, c'est fini. Le moins 18, il y est plus. Ouais, alors sur le Discord, Benoît, tu peux venir me contacter en privé. Moi j'y passe de temps en temps encore sur Twitch. Je vous dis, il n'y a pas Twitch ou YouTube. Bon, YouTube pour moi est un peu plus tourné, oui, pour les vidéos que Twitch plus pour les lives. Mais le plus dur, c'est d'avoir une communauté. Une fois que tu as fait une communauté sur n'importe quelle plateforme, il faut rester sur cette plateforme, quoi. Mais comme dit Guy, hein, je suis un youtubeur qui live sur Twitch. Avant, il pouvait faire de la pub sur YouTube. Maintenant, il n'a pas le droit de le faire. Donc voilà, nous, c'est vrai que nous, on a... Pour coup, c'est vrai que j'avais une belle chaîne Twitch. Parce que j'étais partenaire et tout. Mais bon, voilà. Plus grosse communauté était sur YouTube. Donc j'ai fait le choix de rester sur YouTube. Après, je dis pas que je reviendrai peut-être pas un jour sur Twitch, hein. C'est possible. Je pense que pour que tu y reviennes, il va falloir vraiment qu'il change plein de choses. Pas en tant qu'LFD, en tout cas. Ouais, mais il va falloir surtout qu'il change pas mal de choses, à mon avis, pour que tu y reviennes. Guy, crois-tu que des gens soient payés pour apprendre à des personnes à streamer sur YouTube ? Oui. Oui. Et ça. Oui, t'as un peu d'ailleurs, ouais. Et ça se fait aussi sur Twitch. J'ai vu ça récemment où t'as des gros streamers, entre guillemets, qui prennent de leur temps pour. Coacher des petits streamers. Après, je sais pas les conditions dans lesquelles ils le font, mais j'ai vu ça aussi sur Twitch. Alors, Audrey, non, le quota d'heures, en fait, c'est surtout comme Twitch a imposé une baisse des sub à ces streamers, c'était en fait pour pas que les ils non, mais perdent t'inquiète pas, hein, Benoît, je te ferai jamais payer. De toute façon, après moi je donne mes conseils, mais je suis loin d'être un professionnel. Voilà, c'est pas mon métier, c'est pas moi, c'est une passion, c'est voilà. Seul truc que je peux donner, bah, c'est mes conseils. De youtubeur, enfin de streamer, streamer youtubeur. Après, le principal c'est de s'amuser. Si tu fais du gaming, c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir à ce que tu fais. Voilà, si tu prends pas du plaisir, c'est mort. Après, Guy, ça dépend des contrats. Le minimum, je crois que c'est 50-50. Et après, ça peut augmenter au-delà, fonction des. Mon avis, alors, du streamer, des abos et des choses gros, comme ça. En gros, je vous dis tout de suite, je pourrais vous le montrer, au pire, j'en ai rien à foutre sur Twitch. En gros, ça dépend des types d'abos. Hop. Je sais pas si j'ai toujours accès d'ailleurs, parce que depuis le temps que ma chaîne elle est en stand-by. Ils sont un petit, je pense que 50-50. C'est 50-50 sur un petit. Voilà. Prends les gros, ça peut monter jusqu'à 75 ou 80% pour le streamer.
Analyse, c'est pas ça, statistique de la chaîne. Voilà, abonnement niveau 1, c'est 50-50. Abonnement niveau 2, c'est 60-40. Donc 60% pour moi, 40% pour YouTube. Abonnement niveau 3, c'est 70-30. Donc c'est 70 Twitch. Pour moi, 30 pour Twitch. YouTube, c'est 50%. Pour tout. Donc, joie d'odieux, gang des phoques. Un sponsor sur YouTube, je sais plus, à 99 centimes, 1 euro, grosso modo, 50 centimes pour la LFD, 50 centimes pour YouTube. À d'autres jeux, hier soir, on a fait du Neverwinter, on fait du Spintir, du SnowRunner, on fait... Je fais un peu de tout. Tout ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie, quoi. Du Minecraft aussi. Du Minecraft. Il n'y a que sur les super chats où YouTube ne prend rien. Mais par contre, j'ai mon network. Donc le network, c'est une agence publicitaire en gros qui gère la. C'est un manager en fait, comme un manager, qui va prendre 30%. Devant un ami, regarde. Ouais. On est sur farming ce soir, gang des phoques. Salut Dylan. Et d'ailleurs, le samedi soir, c'est réservé à farming. Le samedi soir, c'est farming. Le vendredi soir, c'est autre jeu. Et le dimanche matin, c'est du mapping. Comment cela fonctionne avec YouTube pour ce qui est de la rémunération? Quel contrat? Alors, t'as plusieurs, t'as plusieurs formules. Oui et non. Déjà, minimum sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur la chaîne. Voilà, c'est le minimum. Voilà. 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, vous avez la rémunération. Derrière, après, soit vous passez par un compte Google AdSense, et là, pour le coup, vous touchez l'intégralité des 50%. Qui vous reste. Par exemple, je sais pas moi, on va arrondir en gros, c'est 1 euro les 1000 vues. Pour le plaisir, beaucoup cherchent l'argent, c'est énervant, et c'est aussi ma raison de mettre. Parce qu'il a dit et affirmé des conneries. Ça, Audrey, voilà. Libre à toi de penser ce que tu veux des autres. Donc, grosso modo, voilà. Donc, c'est enfin, YouTube génère 1 euro les 1000 vues. 7 euros, il est en gros à vous. Donc en gros, c'est 2 euros les 1000 vues en fait. J'arrondis hein, les chiffres, hein, parce que c'est suivant les chaînes, suivant la qualité. Enfin, c'est suivant les gens qui regardent une chaîne, s'il y a beaucoup d'adblock ou pas. Donc, mais grosso modo, ça tourne à peu près 1 euro les 1000 vues, quelque chose près. On va dire entre 0,60 et 1 euro les 1000 vues. Donc, si tu fais par Google AdSense, tu vas toucher 7 euros. Par contre, Google AdSense, il te propose rien. En gros, c'est débrouille-toi. Donc nous, on passe par un network. Donc un network, c'est un espèce de manager qui nous propose. Alors certes, ils nous prennent 30%. Donc en gros, sur 1 euro, il nous reste déjà plus que 70 centimes. Donc à la base, on a généré 2 euros pour 1000 vues. YouTube en prend 50%, donc il nous reste plus qu'1 euro. Sur 7 euros,
le network en prend 30%, donc il reste encore 70 centimes. Mais par contre, le network propose plein de choses. Déjà, une protection. Donc voilà. Donc un network, ça propose des protections. Ça propose... Bah là, par exemple, la musique que vous entendez, c'est grâce à mon network. Puisque grâce à lui, ils me fournissent un abonnement à Epidemic Sound, qui est payant. Il me propose encore plein d'autres choses. J'ai plus tout en tête, mais... Gang des Fox, ça, c'est toi qui le dis, nous, on est au courant, on sait pas. Donc, il me propose d'autres encore. Voilà. Je sais pas si je peux pas me connecter sur cette plateforme. Donc après, il y a un accompagnement. Merci Lionel pour ton méga LFD. Non mais ça, après, c'est votre opinion. Moi, j'ai même ma propre opinion. Vous avez votre opinion sur les autres. Ça, je vais pas en débattre là-dessus. Et en plus, entre guillemets, je vais aller cru aussi. On s'en moque. Ils font ce qu'ils veulent. On s'en bat les couilles. C'est pareil, si j'ai un partenariat aussi avec Spreadshirt, du coup, via mon network, qui me permet de faire des t-shirts et des trucs comme ça. Bonsoir Renaud. Il y a plein d'avantages à avoir un network. Et surtout, entre guillemets, avoir surtout une protection vis-à-vis de YouTube, en fait. Les nouvelles du Season Pass, pas du tout. Donc voilà, en gros, comment marche la rémunération YouTube. Je crois que LCLGTY, je pense que c'est pas chez nous qu'il faut venir demander des nouveautés sur FS22. Parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup chez nous qui les suivront. Si, je les suis de loin un petit peu, savoir ce qui se passe. Oui, non, mais je veux dire, à part de loin, quoi. Mais après, Season Pass, je sais que ça va permettre d'avoir les DLC. Après, voilà. Bah, King Hong Devoque, tu demandes aux éditeurs de jeux vidéo pourquoi ils font payer les jeux une blinde sur console. Tout simplement parce qu'il y a des royalties à payer aux fabricants de consoles. Tout simplement. Ah oui, c'est vrai qu'il tourne les pouces, lui, maintenant. Ah mais nous non plus, ils vont pas nous répondre, t'inquiète pas. Hein. Je pense qu'ils vont le dire à personne. Hein. Le Season Pass FS22 est valable pour PC et console. Je crois, oui, bah elle l'avait sorti sur le 19, le Season Pass pour console. Et ils l'ont étendu au PC, en fait. Après, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que... Je pourrais vous répondre que quand FS22 sera fini, quoi. Après, oui, comme toujours, sur console, il faut payer les royalties à Xbox, à Microsoft et à Sony. Parce que oui, Sony et Microsoft engrangent, tout comme Steam. Steam, quand t'as un jeu, vous achetez un jeu sur Steam, admettons, vous achetez un jeu 10€ sur Steam, il y a une petite partie, je sais plus combien c'était, j'y avais su, mais je me rappelle plus exactement. Il y a une partie qui part pour Steam. 100, non, je crois. Hein? Non. 100. 100 quoi? 10% sur la somme, ah, non. 10%, je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement. Tout comme quand vous avez une application, si vous êtes sur iPhone, vous achetez une application, il y a toujours une partie qui part à Apple.
Ouais, alors là, c'est un peu abusé, eux, par contre. Mais je crois que c'était 30%, je crois. C'est ça. C'est 30 ou 40%, je crois. Bah, après, Guy, c'est abusé du YouTube prendre 50% alors que tu fais tout le boulot. Ouais, d'accord, mais derrière, t'as toute l'infrastructure de YouTube. Donc en gros, au final, moi, ça me dérange pas. T'imagines les milliards de teraoctets, parce que je parle bien de teraoctets, d'un milliard de teraoctets de vidéos qui stockent. Bah, Audrey, si t'es un peu comme un... tous les jeux, à mon avis, tu vas payer plus cher la sortie du jeu et avoir droit au DLC, au moins le premier DLC gratuit, on va dire. Ouais, pour la ligue, pour un mois, on paye 9€, après, tu dois payer les DLC, MDR, on se fait bien pigeonner. C'est le principe des consoles. Ah oui, non, bah oui, il y aura le DLC, oui, bien sûr. Peut-être des bonus, mais bon, ça, j'y crois pas trop, bonus. Encore que si, on fait des bonus, hein, ici, si tu précommandais déjà le jeu, oui. Je crois. Oui. Ouais, bah, ça vient, je vais le laisser dans le carton. Donc, après, voilà, moi, ça me dérange franchement pas que YouTube prenne 50%. Parce que, bah, t'as toute l'infrastructure, quoi. T'imagines si... S'il fallait payer l'infrastructure, ça serait. Sachant qu'ils s'engagent à jamais planter, entre guillemets, aussi. Hein. C'est ça. Et à conserver des vidéos sur des années et des années. C'est-à-dire que si là, par exemple, il y a à avoir un gros bug, vous avez une quinzaine de techniciens ou une vingtaine qui arrivent au pas de course pour régler le problème dans la demi-heure, quoi. Ou dans les 5 minutes. Il est pas là-dessus, si, il est par là, dessus. Il dort. Ça, il est pas là. Ah, bah, ça, il s'est réveillé. Si, il est là, dessus. Mais il dit rien dessus, on pensait que tu t'étais endormi. Crois-tu que FS24 coûterait plus cher que FS22? Mais est-ce que ça serait FS24? Non, mais voilà, c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que YouTube, c'est une grosse infrastructure. Et d'ailleurs, je crois que YouTube est seulement rentable depuis très peu, là. Ouais, mais là, c'est. Je pense que c'est rentable depuis très peu. Parce qu'avant, ils abusaient pas sur les pubs. Maintenant. Faut ouais, s'accrocher quand même. Hein. Ils sont obligés. Ouais, il y a des limites quand même. Ouais, mais tu sais, je suis passé sur Twitch il y a pas longtemps, là, pour dire. Pour pas dire. C'est devenu pareil. Non, mais t'inquiète pas, c'est devenu pareil. Quand je vois des pubs de 30 secondes et qui sont pas. Oui. Passables. J'ai fait putain. Ouais, et puis changé. Maintenant t'as beau avoir le Prime, tu t'assois aussi dessus. T'as le droit de les voir aussi les pubs. C'est pas vrai Audrey, je fais pas des allers-retours. Les pubs toutes les 3 à 5 minutes. Alors, après, à savoir que nous sur la chaîne LFD. Moi, les pubs, je les laisse automatiques. Je crois qu'on peut même plus y modifier. Mais j'avais vu des chaînes à l'époque. Il y a. Et toutes les deux, c'était toutes les minutes. C'est... Le mec, il mettait des pubs toutes les minutes. Donc, non, Audrey, je fais pas d'aller-retour dans le champ. Je fais toujours des. Je tourne toujours en rond. Je fais les allers-retours, c'est que quand je vais en Belgique. Quoi, après les pubs sur la chaîne LFD, c'est pour le coup c'est pas du tout moi qui les gère. Donc et franchement, je crois qu'à l'époque quand on faisait les 1000 vaches, c'était moi qui gérais le placement des pubs, parce qu'à un moment donné on pouvait les gérer donc. Je crois que sur les 1000 vaches, je mettais 3 pubs en une heure. Ah une au début, une au milieu, à la fin, je crois à peu près que tu mettais. Ouais non, il y en a peut-être 2 dans le cours. Oui, ou 2 dans le cours, mais. Mais voilà, et il y a des fois, j'ai eu la réflexion, c'est « Ah, mais il y a trop de pubs sur vos vidéos !» Ah bon ? Quand je voyais des vidéos d'un quart d'heure où le mec, il mettait 10 pubs... Ouais. Oui, mais c'est comme tout, Guigui. Les autres, ils font toujours mieux que nous.
gaspillage de traitement. Je gaspille rien. C'est pour ça que je tourne en rond. Je regarde des vidéos de 1 heure entre deux et le mec met 5 pubs et c'est casse-pied. Bah, 5 pubs en 1 heure, voilà. Okay. Écoute Audrey, c'est pour désherber le talus parce que c'est lui qui nous rapporte les mauvaises herbes. Mais... Donc vu que la voirie ne fait pas le nécessaire, bah je le fais pour eux. Je mets du Roundup. C'est interdit le Roundup. Pas vrai. Okay. Interdit pour le public. D'ailleurs, il va bientôt revenir au public le Roundup. Ah, enfin. Parce qu'ils enfin, se sont rendus compte. Désherber ma non mais parce qu'en fait, Guigui, tu sais, ils en ont sorti un nouveau. Ils se sont rendus compte que le nouveau était plus polluant que le Roundup. Ou était plus cancérigène que le Roundup. Ouais, c'est ça, mais je te dis. Moi, c'est vrai que niveau pub, j'abuse pas spécialement plus que ça. Et pour les vidéos, oui, ça doit être allé au grand maxi 3 pubs, quoi. Ça, de toute façon, les deux pubs que t'as au début, ça c'est YouTube, ça, à mon avis. Bah, pas forcément, non, tu peux y régler, ça. Ouais, mais si tu la laisses en automatique, à mon avis, c'est YouTube. Mais non, sur le coup de Twitch, là, oui, il y a Amazon, ils abusent un peu sur avec leurs pubs. Ouais, il faut que ce soit rentable. Parce que j'attends que Cozy ait fini de, de désherber. Ah, il y a quelqu'un qui serait venu m'aider là au lieu de tourner en rond à ah, pied. Merde, je me suis coincé. Oh, non. Tu veux que je t'aide à quoi? Ah, je sais pas, pousse le tracteur, puis sur l'herbe, quelque chose. Non, c'est vrai que là sur le coup c'est chiant parce que tu peux vraiment pas les passer quoi. C'est impressionnant quand même. Vous avez voulu quoi comme culture sur FS22? Je sais pas. J'attends de voir ce qu'il y a déjà. Et puis on verra. Prends une binette. Bah écoute, moi les cultures, je m'en moque un peu de ce qu'il y a sur farming, je vais découvrir, puis je verrai bien. Par contre, moi j'espère surtout qu'ils ont amélioré les graphismes et comment dire. Ah, l'histoire des bots qui arrêtent de bouger, là. Ah oui, le tremblement. Ouais, mais c'est le nom générique complet, quoi, je voulais dire. Oui, non, mais y'a pas de soucis. Comme des fois, dans le des phoques. Prends un deuxième tracteur. Bah, je peux pas. Bah, même si je prenais un deuxième tracteur, on n'a pas de deuxième pulvé. Alors, et puis là, pour le coup, on a plus d'argent. Non, Barso, c'est pas les collisions. Barre d'écho, c'est pour barre d'écho. Barre d'écho, oui. C'est tout ce qui est mécanique du jeu en tant que tel, qu'on va dire. Bah bonsoir à ton garçon, Christophe. Bonsoir à ton garçon, Christophe. C'est ça, Sylvain. Faut que les mappers arrêtent les 3D de FS15. C'est pour ça que nous, sur FS22, on va vraiment essayer de vous proposer des trucs qu'on voit pas sur FS15. Quoi. Merci, Hervé. La physique. Voilà. Physique en général sur farming. Et merci pour la beau, je pense. Ah merde, j'ai pas le... Hop. Comment ça, il est encore debout, Christophe? D'abord.
Guy, il vous donne au moins une contribution sur les pubs YouTube. Oui, bah, les pubs YouTube, c'est ce qui nous rémunère. C'est la grosse partie des 1€ les 1000 vues vient des pubs, en fait. Donc, quand vous mettez les bloqueurs de pubs, bah, on touche pas d'argent. C'est ça. Plus que 6 épisodes de devenir millionnaire avant FS1 2. Et merci RPP pour ton abo. RPP Airsoft. Oui, et alors Christophe, c'est pas une raison. Moi, j'aurai un enfant à 8h au lit. Vacances ou pas vacances. Un coup de pied au cul, bien sûr. Non, puis pour en revenir un peu sur les plateformes, je trouve que Twitch est devenu vraiment trop tourné sur l'argent, en fait. Ils font vraiment tout pour faire dépenser aux viewers, en fait. Ouais, les cheers, les machins, les petits trains de... je sais plus comment ils appellent ça, les petits trains de hype, les subs, les machins... En fait, c'est tout vraiment tourné pour vous faire dépenser de l'argent, en fait. Bah, les subs, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'aujourd'hui, ils ont réduit les coûts, donc... Oui, mais ils ont réduit les coûts, pourquoi ? C'est sur la politique là, derrière ? C'est justement... Mais non, mais c'est pour en avoir plus. C'est plus de gens qui subent. Pomme de terre en IRL chez moi, non, c'est pas trop la... la région. Nous, c'est plus maïs. Maïs, céréales. Ouais, tiens. Eh hey, mais il a raison, c'est ce qui lui fait gagner sa vie. Bah après, c'est toujours pareil, si ça fonctionne, tant mieux pour lui. J'ai vu que t'avais planté aussi. Bah moi aussi, j'y ai cru, j'ai... Non mais Christophe, je parle du mien, je parle pas du tien. Après, oui, bah c'est pareil, je pourrais vous dire, bah, pensez à vous... à devenir sponsor à la chaîne. Bon, je pourrais. Non. Vous le faites si vous en avez envie. Après, oui, on peut le dire de temps en temps. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, mais enfin pas que moi, hein. C'est que si on le dit pas, vous y pensez pas. Et il y en a certains, ils aiment nous soutenir, ils aiment, voilà. Mais ils y pensent pas. Comme les pouces bleus, par exemple. On m'a dit que je faisais du racolage par rapport au pouce bleu. Bah oui, mais bon, là par exemple on a 245 pouces bleus. Et bah voilà, pensez à vos pouces bleus les amis. Et on va monter à 250 peut-être. Ou pas. J'espère. Maintenant. Là. Attention. 245 toujours. Non, vous voulez pas ? Non, ils veulent pas. Bah, le sponsor, c'est pareil, ça nous soutient. Parce que ça nous permet aussi, bah, entre autres, de payer les infrastructures de la chaîne, de payer éventuellement des jeux pour pouvoir vous proposer d'autres contenus, de pouvoir payer, bah, les jeux aux gars de la team.
De payer le matériel, de payer plein de choses, quoi. Bah, on a 249. Donc oui, non, après je force pas. J'ai jamais forcé les gens à dire, bon, voilà, sponsoriser la chaîne, nanani, nanana. Après, vous le faites si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie, je compte pas là-dessus, en fait. C'est ça, tout à fait, Gang des Phoques. Oh bah, je pense que c'est bon pour les pour ceux-là. Pour boire. Merci André, et pour boire. Alors, sachant qu'il y a que moi qui bois dans la team. Hein. Oh, s'il te plaît. Moi aussi, je bois. Bah ouais, bah je bois aussi. C'est pas trop cher, quoi que tu me diras, si tu vas au McDo, c'est cher. Et surtout, je trouve que le... Alors là, pour le coup, au McDo, je pense que là, ils ont trouvé la bonne combine, quand même. Faire payer l'eau du robinet, là, c'est fort, quand même. Bah, c'est un joli coup de marketing. Ouais, mais là, c'est pourquoi, ça ? C'est ni plus ni moins pour respecter les choix que tout le monde fait sur l'écologie. Plus de bouteilles en plastique, plus de machin, plus de ceci. Bah, vous avez de l'eau du robinet payante, voilà. Du gros robinet. Bon, café Guigui. Allez, hop. Tac. Ouais, ça sert aussi. Tout codement, l'interface graphique, là. Bah, c'est quelque chose que j'ai acheté. Voilà. C'est pareil. On parlait de l'argent. L'argent des sponsors, des vidéos, des dons, des trucs comme ça, va être investi dans la map qu'on va vous sortir sur le 22. Parce que va certainement falloir qu'on achète des bâtiments, qu'on achète des textures. Mon streamer préféré. Donc voilà, c'est aussi vous, par cet intermédiaire-là, qui allez participer au développement de la carte, quoi. Carte que l'on mettra à disposition quand on jugera qu'elle est bonne à la modique somme de 0€. 0€. Bonne nuit Christophe. Donc voilà, oui, non, ce sera la map totalement gratuite. Même si j'ai acheté des 3D, des textures, des trucs comme ça, ça sera complètement gratuit. Bon, j'ai fini mon travail, moi. Ah bah, les... Pièces de PC, oui, ces derniers mois, voire années, oui, ça a bien... Ça a bien évolué, les prix. Hein. Bon, allez, bon, les amis, il est 11h30 de l'ancienne heure. Donc, à cette heure-là, demain, il sera 10h20. Non, il sera 11h30. Bah non. Bah si. Bah oui, mais non. De toute façon, il faut que tu enregistres la partie. Oh, enfoiré. Ah bah, je suis pas connecté en admin. M'en fous. Bah, une RTX, oui, tu prends une 3080, une 3090, maintenant c'est plus de 2000 balles. Alors, vaut mieux pas prendre les 3090, les 3080 sont largement suffisantes. Non, c'est surtout le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'au niveau des performances, une 90 est moins performante qu'une 3080. En tout cas, moi je suis très content de ma 3080 pour le coup. Sachant que je l'ai acheté d'occasion, hein. Je l'ai pas acheté neuf. Moi, ma 2080 Ti me va très bien. Voilà. Ah, moi j'avais une 1080 Ti qui commençait vraiment à être à bout de souffle.
Non, mais c'est 1080, moi j'ai une 2080, ça va, voilà. J'ai le temps, quoi. Donc bon. Voilà, puis j'ai eu l'opportunité d'avoir la somme pour pouvoir l'acheter. Sauf que là, pour le coup, je l'ai acheté avec mon propre argent. Mais non, j'en suis très content. J'en suis très très content. Mais par contre, bordel que ça chauffe. Je sais pas, il paraît qu'il y a des 3090 qui ont cramé. Oui, bah avec New World, ouais. Alors en fait, alors pour l'histoire. Alors, c'est... New World et pas New World, en fait. Ça peut arriver sur n'importe quel jeu. En fait, ce qui se passait, c'était que... sur le jeu, quand tu te mettais en FPS illimité, oui. Ça faisait monter les cartes graphiques. Qui fait que elle cramait. Il fallait non, limiter vraiment les FPS à 120. J'ai combien de ventilos sur mon PC? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventilos. Plus les 3 qui sont sur la carte graphique, plus celui qui est sur le... Plus celui qui est sur le... L'alimentation. C'est une bête, mon PC. Bah, en même temps, voilà, si tu veux faire un peu de vidéos, si tu veux faire un peu de trucs comme ça, oui, t'es obligé d'avoir un bon PC, quoi. Mais là, toi, j'ai le processeur qui va avoir 2 ans. Oui, il va avoir 2 ans l'année prochaine. Bah, je sens déjà qu'il commence à tirer un peu la langue, quoi. Bon, avec tous les rendus vidéo que je lui mets dans la gueule. Avec tous les rendus vidéo que je lui mets dans la gueule, c'est vrai que pour le coup, bah, il a un peu tendance à tirer la langue quand même. Bah, je l'avais changé. Je l'ai changé quand exactement mon propos? Je sais pas si je vais pouvoir le voir parce que... Bonne soirée Audrey. À quand le prochain? Demain matin. Demain matin 9h. De la nouvelle heure ou de l'ancienne heure? De la nouvelle heure. Non, ça, c'est en boutique. Y a pas un an que tu l'as changé? Non, non. Non, c'était il y a 2 ans. Par contre, t'avais fait le Switch... Ouais, c'est... Non, mais c'est parce que t'avais fait le Switch entre le PC Gaming et le... Il y a... 2 ans, je me suis payé mon PC de stream. Bah s'ils ont pas le... s'ils ont rien à te proposer à ce prix-là, faut s'inquiéter, hein. Ah, 5000 euros aussi, oula, t'es large là, oula, mon pauvre. Et tu peux faire des configs gaming pour la moitié de la somme, donc... Donc ouais, non, le pros... je l'ai acheté en août 2019. J'avais déjà ma DS3, parce que je suis allé chercher à Villefranche. Donc ouais, c'est ça. En août 2019. Je venais d'avoir ma voiture, en fait. Non, attends, ça fait 3 ans que je l'ai, la voiture. Non, 3 ans, on y a été... On y a été tous ensemble avec les anciens. Oui, non, bah c'est ça, c'est en août 2019. Et il va faire, j'espère, jusqu'au milieu d'année prochaine. En général, mes processeurs, je les change tous les 3 ans. Moi, je change mes PC tous les 10 ans. Ouais, pas de soucis, Kong des phoques. Donc oui, non, bon, mais bah, le problème des processeurs, c'est comme je leur en mets plein la gueule avec le Oui, mais le rendu. C'est différent, toi. Tu fais plus de choses que moi. Donc pour le coup, ouais, je les change tous les 3 ans. Mais, je les change, mais c'est pas pour ça que mes anciens processeurs, je les fous à la poubelle, hein.
Attention, hein. Là, je sais très bien que celui-là... bah, soit va passer dans mon PC de stream... Ou soit va me servir en serveur, par exemple. Attends, ouais, ça peut être un Suisse aussi. Donc voilà. Après, moi, mes PC, tous mes anciens PC sont recyclés en fait. Donc à 8h demain matin. Non. Non, 9h. 9h. Non, 9h. Mais en Belgique, ils ont pas la même heure que nous, Guy. Ah oui, c'est vrai, ils changent pas d'heure. Mais c'est vrai que pour le coup, ouais... Puis le problème, c'est que je formate pas assez souvent mes PC. Voilà, là, c'est vrai que je l'ai formaté il y a pas longtemps, et c'est vrai que j'ai connu quand même une grosse différence, quoi. Donc voilà. Allez, moi, sur ce, je vous fais des gros bisous. C'est déjà 11h30, j'avais pas vu l'heure. On se retrouve demain matin, donc 9h de la nouvelle heure. Donc, 10h de l'ancienne heure. Non. Oui, si. Non. Enfin bref, demain matin, 9h, soyez là au rendez-vous. Au pire, si vous êtes abonné, vous activez la petite cloche, comme ça vous serez averti quand je démarre le live. Voilà. Hein. Et puis moi, sur ce, je vous dis bonne nuit et à demain. Bye bye, ciao. Au revoir. Et tout le monde.